On a été signalé. On a été signalé, donc repartagez le direct à nouveau. Repartagez le direct à nouveau. On va reprendre le frère combattant qui avait certainement beaucoup de choses à nous dire. Mais il faut qu'il y ait au moins ce 100 à 150 personnes pour pouvoir le reprendre. Parce qu'il n'y a pas assez de monde en ce moment. Je vous en supplie, repartagez le direct. Invitez le maximum de personnes. Dès que ça va remonter. Envoyez les likes et les cœurs, c'est aussi ça le problème. C'est qu'à chaque fois qu'on engage un truc de ce genre, à un moment, il y a des gens qui viennent signaler le direct et ça se coupe. Pourtant, il y a ceux qui sont en train de regarder et qui aiment d'ailleurs ce qu'on est en train de faire, sauf qu'ils n'envoient pas les cœurs, ils ne partagent pas, ils ne font rien. Et derrière, ceux qui sont contre nous signalent, signalent et après, ça se coupe. Il est en train de dire des choses très intéressantes. J'aurais souhaité que tu passes dans mon direct hier ou avant-hier pour parler. Mais c'est pas grave, même là maintenant tu vas le faire. Et les points que tu es en train de soulever, c'est des points très très importants. Je suis revenu dessus pendant 2 jours pour expliquer aux gens que on ne peut pas toujours voir parmi nous certains combattants qui se permettent tout et qui peuvent toujours, qui se permettent d'écraser les gens, qui permettent de l'humilier, de salir les autres. Pourtant derrière, ils n'ont aucune preuve. Je l'ai dénoncé plusieurs fois. Mais je souhaiterais que vraiment, à partir de demain, qu'on se dise, bon, voilà, c'est le dernier week-end, on en parle une bonne fois pour toutes, et surtout à partir de lundi, vivement, qu'on reprenne le combat, que le combat reprenne de plus belle, qu'on mène des actions et autres, qu'on ne soit pas distrait par tout ce qui tourne autour. Donc, quand on va atteindre au minimum 150 personnes, on va repartir. Essayez de partager au maximum, partagez le direct massivement. On va devoir repartir d'ici quelques minutes. Donc, repartagez le direct et envoyez le maximum de likes et de cœur. On va prendre le frère. Si tu peux renvoyer ton invitation, je ne sais pas si c'est déjà possible. Renvoie ton invitation. Renvoie ton invitation, je vais te prendre avec, je crois, le même profil. Si ça marche, pourquoi pas. Donc, essayez de partager. Essayez de partager. Encore chercher le même nom. Alors, je n'arrive pas à retrouver. Envoie ton invitation. Ah oui, je sais pas encore, la ligne n'est pas encore ouverte. Je viens d'ouvrir la ligne, voilà. Je viens d'ouvrir la ligne. Je viens d'ouvrir la ligne. Bonjour. Envoyer l'invitation sur Cameroun avant-père. Soyez si bon. Ouais, Bertie, je reviens avec mon vrai profil maintenant parce que justement certains esprits malins ont bloqué pour éviter. Marcel, si tu peux fermer la porte parce que comme le bébé pleure à côté. Donc, je suis en train de dire, vraiment, je recommence mon propre. Repartagez le direct, s'il vous plaît. Repartagez, c'est important. Envoyez les likes et Je les te cœurs. félicite, je te félicite vraiment pour le travail que tu fais de réconciliation. Mais comme je dis aussi, il faut quand même être logique. Il faut quand même être logique. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je demande des excuses à beaucoup de combattants ici, là. Parce que quand c'est être chez nous, quand c'est quand moi la panthère, il y a des marathons de direct pour nous lyncher. J'ai été le premier ici à lyncher, à être lynché sur la toile sans preuve. Sans preuve. Il y a même un qui s'est permis de me dire, je suis allé mentir chez Max parce que je ne t'aime pas. Carrément. Donc, c'est une histoire de jalousie. Donc, il ne faut pas que ce soit une justice à deux vitesses. Dans le combat, il n'y a Exactement. pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité. Niat, c'est mon petit frère. Quand Niat a fauté, j'ai eu les couilles de lui dire, tu es mon frère, je te mets de côté. Ça ne lui a pas plu parce que dans cette révolution qu'on prend, il y a quand même nos vies, il y a nos vies qui sont en jeu. Il y a nos familles qui en souffrent. Mais certains, par peur, ou peut-être les petits nains, certains par peur, ont trouvé Facebook comme une plateforme pour se faire voir, pour gueuler, pour montrer leur maison, pour montrer leur profession. Ce n'est pas ça le combat. Dans le combat, il n'y a pas d'amitié. Moi, j'étais à Rennes et à Lyon avec Karel. Et sa sœur, les deux sœurs Laine. J'ai vu ces guerrières-là j'ai vu comment ces combattants-là ont fait. On a payé une table exprès à la soirée de Catino à Rennes pour Karel et un groupe de combattantes. Elles sont arrivées dans la salle. Elles ont bourré la salle de boules de Kies. Elles ont fait tout le boucan.
Quand elles ont vu que ça commençait à être chaud, elles sont sorties naturellement pour dire les combattants ne peuvent pas être dehors et nous à l'intérieur. Elles sont venues nous rejoindre. Donc je trouve inadmissible, quels qu'en soient les malentendus que je pourrais avoir avec Karel ou avec sa sœur, des filles, des femmes qui ont des enfants. Je vous rappelle qu'on s'est croisés par hasard à République. Elle a pris son train Paris. Lyon-Paris. Elle venait pour aller marcher en Nantes. Qu'elle a vu qu'on était en sous-nombre et qu'on mettait une stratégie en place, elle s'est naturellement proposée de venir avec nous plutôt à Rennes, en laissant son bébé. Et je vois des combattants encore aujourd'hui qui l'affichent, qui insultent son bébé. Des combattants qui ont passé le temps à la harceler, à harceler sa sœur, alors qu'on lui a en effet que dit elle est mariée, elle est mariée. Il ne faut pas que ce soit une justice à deux vitesses. Nous ne sommes pas ici au Cameroun. Quand c'est Kamoa, les gens s'alignent. Ils sont en train d'insulter Kamoa, comme si le combat c'était Kamoa. Mais c'est quoi votre problème de leadership avec Kamoa? Je ne suis pas là pour un leadership. Je vous ai toujours dit, je travaille ici. J'ai une profession, j'ai une famille, ma vie elle est ici. Si même on me propose un travail au Cameroun, j'irai le faire en bénévolat. Bénévolat, conseil bénévolat. Tu ne cherches pas de poste. Mais il faut quand même arrêter ça. J'ai vu cette fille laisser son bébé de 7 mois, prendre le train, venir dans ma voiture sans programmer, appeler son chéri pour lui dire son mari, son chéri a été d'accord, vas-y. Et je vois aujourd'hui, on la sabote sur Facebook. C'est elle qui a fait la demande à Lyon pour la marche. On était tous là avec les Stéphane Tchombo. Tous les Sardinois ont pris son nom. On a affiché, on lui a fait des menaces avec la maman, là, la madame Gambed, là, que les gens ont commencé à insulter. Ah, on était tous à Lyon. Paris. C'est elle qui a pris, on a pris son nom, l'a affiché aussi au Cameroun, avec sa sœur, avec l'adresse. Les gens l'ont menacé de mort. Le jour où on était à Rennes, c'est moi quand moi la panthère. J'ai dit que si ces filles-là ne rentrent pas chez elles, je ne quitte pas. Tous les combattants avaient fui. Je n'ai pas un témoin. Les gens disent que n'y a-t-on mangé l'argent. Quel argent? Hier, j'étais content quand le petit frère de Serge Nangor, comment on l'appelle encore, Platini, pour une fois dit la vérité. Il a dit qu'il faudrait que les Salomé Tchap-Tchèque, les Mars, demandent des excuses à Niat. Parce que Niat avait son argent qui n'avait même rien à voir avec le Liti. Il a dit, je dédommage tout le monde. Il notait sur les papiers. Certains venaient dire que donne-moi l'argent, il ne notait même pas. Parce qu'il avait 5500 euros sur lui ce jour-là. Les seuls sont témoins. Beaucoup même se sont remis pour prendre le taxi. Maître Corbeau, qui est le petit frère de Serge Anango, je l'ai appelé, je lui ai dit, vous êtes quand même de mauvaise foi. Vous faites un combat pour détruire les combattants ou pour aller contre Paul Biya. Comment vous pouvez aller faire un direct pour dire que Niat a volé l'argent alors que Niat a payé ton billet de train en espèces. Avignon-Lyon, aller-retour, lui donner encore l'argent du taxi parce qu'on était à Vénissieux. Vénissieux pour aller au centre de ville. À 4 heures du matin. Mais quand même, respectez ceux qui mettent leur famille en péril. Respectez cela. Je vois les combattants, je vois les calibris, les Salomon Tchap-Tchèque, Serge Anango, ils vont se Fleur de Lille. Fleur de Lille, saboter qu'à moi. J'ai toujours dit, cette fille-là, c'est une sardinade qui a été payée par le régime pour déstabiliser la base. Je l'ai toujours dit. Mais je vois les gens s'aligner pour détruire Kamoa. Le problème, c'est Kamoa ou c'est Paul Biya. À un moment, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'il soit une justice à deux vitesses. J'ai appelé Calibri, je lui ai dit à Calibri, tu fais ton combat contre moi ou contre le régime. Quand on était à Rennes, tu étais derrière, tu t'es caché avec la police. Tu t'es caché. Zogo t'a appelé, il a dit, si tu es venu pour le combat, tu viens avec nous. Si tu ne veux pas, tu rentres. Les seuls sont là. Il s'est même battu avec le général Barra. Et je vois le même Calibri qui va se Fleur de Lille dévoiler les stratégies qu'on avait mises à Lyon en disant que j'ai frappé quelqu'un. Si ces filles-là m'avaient porté plainte, aujourd'hui, elles auraient pu avoir une preuve palpable parce que c'est quelqu'un qui vient dans notre camp. Voilà donc le combat. Le combat, c'est la lutte des personnes. La lutte des personnes. Ça fait des mois et des mois, nous, on travaille en solitaire. On travaille. Je suis parti en Israël. Et ces mêmes combattants sont allés chez Fleur de Lille, dit qu'on est parti se balader en Israël. Je vous mets au défi d'aller à Israël. Ce n'est pas les États-Unis où je m'en vais en vacances chaque année.
C'est un pays. Je vous le... Allez-y, vous verrez. Il n'y a pas plus pays plus raciste qu'Israël. La sécurité est intense là-bas. J'étais le seul noir dans le premier vol. Les autres sont venus après, ils étaient cinq. Le seul noir. Quand tu arrives avec une barbe comme la mienne, ce n'est même plus une audition qu'on te fait. C'est comme une garde à vue. On prend ton téléphone, on prend ton iPad. Ils rentrent dans tout, ils regardent tout. Heureusement, je connais comment ça fonctionne. Le nom que j'ai donné, ils le savaient déjà. Dès que je suis parti, ils font semblant de ne même pas parler français ni anglais. Quand ils terminent, ils disent au revoir, monsieur Kambo la Panthère. Imaginez, j'étais bête. Ah ouais? Et je vois les combattants aller chez des putes comme Fleur de Lys, mais saboter. Voilà donc aujourd'hui que la même Fleur de Lys se retourne encore contre eux. C'est ça le combat. J'ai une maison brûlée à Oja. Je ne peux parler au Cameroun. Je suis en train de vous parler, je transpire. Je vois que des mecs font des conclaves pour casser Kambo la Panthère. Pour casser un de nous. Pour casser Niat. Je vous dis, Platini a fait un direct l'autre jour, j'ai suivi, j'ai eu les larmes aux yeux. Il a lui-même dit, il faudrait que Mars et son même chap tête demandent des excuses à Niat. Parce qu'il a appelé tous ceux à qui Niat avait remis l'argent. Il ne gérait même pas le liti, mais il a remis à tout le monde. Voilà le combat. C'est pour ça que moi... Je ne vais pas parler mon petit frère à cause de ça. Et je vois des combattants qui sont là, tous les jours. Chambre, désolé, une seconde. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Tu as le droit de verser tout ce que tu penses. Ce n'est pas un problème personnellement. Mais je souhaite que le calme revienne à la maison. C'est pour ça que j'ai fait le direct. J'ai intitulé le calme revient, je suis d'accord pour le calme. Mais avant le calme, je suis d'accord pour le calme, Bertie. Je suis d'accord pour le calme. D'accord? Je suis d'accord pour le calme. Mais avant que le calme ne revienne, effectivement, il ne faut pas qu'on joue à l'hypocrisie. Il faut que chacun fasse une introspection. Il faut que certains fassent un mea culpa. Parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui que nous vivons comment en Europe. On était des modèles pour ces jeunes-là. Il y a des gens qui sont allés en prison le 26, qui n'avaient rien à voir. Des gens qui sont sortis chez eux. On a vu un monsieur qui marchait en partant chez lui, qui a pris une balle, qui va à l'hôpital, on vient encore l'arrêter. Donc quand ces gens-là nous regardent, ils se disent que non, ce n'est pas possible. Et derrière, ils nous voient en train de nous entretuer entre nous. Le combat, c'est ça. Sincèrement. Est-ce que le combat, c'est ça? Je suis parti aux États-Unis, je me suis caché 2 jours. J'avais même peur qu'on me reconnaisse. Parce que la honte, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'appels. Bertie, toi-même, je ne suis pas un mec hypocrite. Je t'ai envoyé des vidéos. Je t'ai dit, c'est quoi ce combat? Donc moi, j'ai mis ma vie pour rien. Je vois des combattants qui vont sur le fleur de l'île, me disent que quand vous n'êtes pas un policier, que comment est-ce qu'il peut avoir les couilles de parler en face? Encourage ton frère quand il fait quelque chose de bien. Encourage ton frère. Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'à moi. L'objectif, c'est que Paul Biapart. C'est ça le problème. Voilà Maurice Kamto, qui est en prison depuis le 26. Est-ce qu'on en parle encore? Voilà Maître Doki qui est arrêté. Voilà Valsero. Est-ce qu'on en parle encore? Tous les jours, ces histoires de string. Mais putain, on en a marre. La distraction est terminée. Ceux qui ont été payés, effectivement, par le régime, j'ai dit bien ceux qui ont été payés par le régime pour nous distraire, on ne peut pas fonctionner avec eux. On les met de côté. Comme la seule l'un disait hier, on les isole, on se désabonne de leur page et les vrais combattants, même s'ils avaient des différends, ils se réunissent en conclave et on continue au combat. J'ai suivi le direct du président Clou Armand hier de Londres. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, fais comme toi. Voyez les gens qui se battent tous les jours. Allez sur son mur. Moi, je visite le mur de tous les combattants, sans couleur de basse. Parce que pour moi, la basse, c'est de la merde. On est tous des amoureux du Cameroun. Amoureux du Cameroun. Amoureux du Cameroun. Celui qui n'aime pas le Cameroun ne peut pas faire comme je fais. Prendre sa voiture. Faire le tour de la France sans rien demander à quelqu'un. Amoureux du Cameroun. Passer des nuits et des nuits dehors. Laisser un bébé de 3 jours comme Niat avait fait. Tu l'as toi-même. Je suis parti en Israël une semaine. En laissant mon boulot. Tu l'as toi-même dit. Moi, j'ai essayé, à mon niveau, de jouer l'intermédiaire entre toi et l'autre basse. Bon, comme tu dis, il y a une, bon, on va dire, il y a une seule basse, mais bon, ce n'est pas le problème de basse qui est le plus important.
J'ai essayé de ce n'est pas ça le plus important, merci. J'ai commencé mon propos en disant que c'est comme des syndicats dans une société, dans une entreprise. Les syndicats, on peut avoir 20 syndicats dans une entreprise. L'objectif, c'est de protéger le droit des employés contre la hiérarchie, contre le patron. Donc, c'est même une question de base. Moi, je dis que tous ceux, je dis, on est tous des syndicalistes amoureux du Cameroun. Amoureux du Cameroun. Dont les histoires du cul, on s'en fout. Moi, j'ai eu un malentendu avec Etienne. Etienne nous était parmi, pour te dire, mon réalisme, Etienne nous était parmi ceux qui m'ont lynché gratuitement. Il s'est excusé, il m'a appelé qu'à moi. Je suis désolé. Son adjoint, Zéro, il m'a appelé, il m'a dit, je suis désolé. Mais, comme j'ai vu le combat qu'il menait, je lui ai dit, je ne veux pas faire une guerre personnelle. Je parle avec Etienne. Mais ce qui s'est passé sur l'histoire d'Etienne, ça aurait pu se gérer autrement. Parce que ce mec-là, malgré son vice, malgré tout, personne ne le savait, mais quand il était sur le terrain, on voyait quelqu'un qui était engagé. Et c'est des personnes pareilles qu'on doit encourager. Personne n'est parfaite. Même ceux qui viennent juger en tant que juges, là, allez dans leur vie, vous allez voir tous les dossiers qu'ils ont. Donc arrêtons, qui sommes-nous pour juger? Nous vivons dans un pays de droit où la loi prime. On ne se fait pas justice. Parce qu'aller lyncher quelqu'un gratuitement sans preuve ou avec des preuves, on se prend pour la justice. On vit en France, en Allemagne, en Belgique, à Londres. Il y a la justice qui prévaut, surtout. Comment est-ce qu'on peut aller lyncher quelqu'un? Moi, j'ai vu Etienne à Paris. Je l'ai vu en Allemagne. Vous pensez que ce gars-là, il peut faire tout ça pour des histoires pareilles? C'est sa vie privée. On s'en contrebalance. L'essentiel, c'est le combat et la conviction qu'il a pour la libération du Cameroun. C'est ça le plus important pour nous. On a tous lu Tekanta Diop. On était les adeptes de Tekanta Diop. Moi, j'ai su, après avoir lu Tekanta Diop, 10 ans plus tard, que sa femme était européenne. Pourtant, quand il faut aller lire Tekanta Diop. Mais arrêtez, la vie privée des gens, on s'en fout. Allez regarder l'histoire de Malcolm X. Allez regarder le pasteur Martin Luther King, qui reste encore l'un de mes modèles. J'ai même eu des confidences où les gens disaient qu'il était homosexuel. Mais on s'en fout. Tout le monde se rappelle « I have the dream, I have it ». C'est ça qu'on se rappelle. La vie privée des gens, on s'en fout. Quelqu'un ne peut pas prendre les risques, mettre au détriment sa famille au Cameroun, sa famille au Canada, sa famille en Allemagne, aller faire ce qu'il a fait en Allemagne, mais pour une histoire de string, on se met à faire un marathon de direct de 15 heures pour le lyncher. Mais qui sommes-nous pour juger? Alors qu'il y a une justice. Les gens s'autoprogramment avocats et procureurs. Mais allez regarder votre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? La dissension a assez duré. Assez duré. Mais à un moment, il faut dire stop à ça. Mais ça devient fou. Fou. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de soutiens qu'on avait. Le nombre de jeunes. On a une page brigade anti-Sardina où on recevait minimum 150 messages par jour. Mais des messages d'information, de délation. Aujourd'hui, le message, c'est qu'on est découragé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'excluez pas telle personne? Pourquoi vous ne faites pas de la distraction? C'est dilatoire. Ceux qui sont venus dans ce combat pour se faire voir, comme j'ai toujours dit, je vous jure, heureusement chez moi, je suis le plus petit chez moi en taille. Et mon père me disait qu'il avait un collègue, qu'il était policier, c'est toujours le plus petit qui cherche à se faire voir. Quand t'as un gros chien chez toi, il est calme. Mais quand t'as les toutous, c'est eux qui sont en train d'aboyer. Donc les gens sont venus dans ce combat pour aboyer et se faire voir. Ceux-là, ils n'ont pas leur place. Qu'ils aillent faire leur combat ailleurs. Comment je peux mettre un litige en ligne? J'ai dit aux gens de cotiser. Je me mets à quoi insulter ces personnes-là. Je n'ai jamais dit un mot grossier dans mes directs. Il faut quand même qu'on se respecte. Et là, c'est parce que tu me prends des coups, parce que je ne savais pas que je passais. Il faut respecter les gens. Il faut respecter son auditoire quand on parle. Il faut rester propre et correct. Parce que les gens disent, j'ai suivi une dame qui disait dans un direct, quand je mets mes directs, souvent je mets, tout le monde écoute, même si je ne regarde pas. Mais il y a certaines personnes, tu peux en mettre en laissant que les gens écoutent. Avec les gros mots. Nous sommes quand même dans un monde où il faut quand même qu'on montre l'exemple. On ne peut pas rester déstabilisé. Moi, en premier, on m'a accusé d'avoir pris l'argent, d'avoir fait ça. Je m'en tape. Je sais que j'ai la conscience tranquille. Ceux qui ne sont pas contents, on a dit ramenez les preuves. Et je vous dis encore, nous sommes dans un pays des droits. Ce n'est pas à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence. C'est à l'accusateur
de ramener les preuves. C'est à l'accusateur. Donc, il n'y a pas de juge. Nous sommes dans un pays où quand tu accuses quelqu'un, tu ramènes les preuves, on te condamne, la justice te condamne. On ne se fait pas justice. Donc, ceux qui le font, c'est qu'ils ont d'autres intérêts. Ils ont les intérêts de leadership. Et moi, je vous dis, on était en train de parler de leadership tout à l'heure. Moi, je dis, dans un combat comme celui-là, laissons parler. On ne va pas dire, oui, c'est Kamoa, c'est Calibri, c'est Wanto. Non! Tous les amoureux du Cameroun sont des combattants. Arrêtez-moi des titres ronflants et grossiers. On m'avait dit général ça, général tel, quelqu'un qui n'a même jamais pris une arme, qui n'a jamais touché une arme en main. Mais arrêtez ces titres ronflants. Arrêtez-moi ces titres. Général de quoi? J'ai fait 8 ans de Légion. 8 ans de Légion. Vous n'avez jamais vu sur ma tête, j'ai mis le commandant Cameroun. Non. J'ai dit je suis le vigile. Parce qu'il y a un combattant qui est passé chez Fleur de Lille. Dit que Cameroun est vigile, il n'est pas policier. J'accepte. J'ai dit, je suis le vigile. Je vais entendre le commandant, si le général tel. On n'en a rien à cirer de ces titres-là. Ceux qui aiment ces grades-là, allez au Cameroun. Allez au Cameroun, refaites l'armée. Si vous avez encore l'âge, pour aller dans la Légion. À la Légion, maintenant, même, il y a même une limite d'âge. Avant, c'était jusqu'à 32 ans. Maintenant, là, c'est même moins. Mais arrêtez-moi ce cinéma. Est-ce qu'on est dans une révolution d'idées ou dans une guerre civile pour dire général, général, commandant, colonel, mais arrêtez-moi ce cinéma. On est dans quel monde? Vous pensez qu'on est au Rwanda ici? Le Rwanda a une guerre civile. Allez voir le Rwanda aujourd'hui. Allez voir le Rwanda. Ils avaient combien de généraux? Les généraux qui ont été formés ici, qui ont été formés là-bas. Je vois les petits totos, les petits zozos qui marchent dans les rues. Ils mettent les tenues militaires. Il s'est dit que général, général quoi? On est tous des amoureux du Cameroun. Tous des amoureux du Cameroun. N'en déplaise, mon franc-parler, je l'aurai toujours. Personne ne va me déstabiliser dans ce combat parce que mon objectif est Paul Biya. Moi, j'étais à Israël, Bertie. Je vais te montrer en inbox le relevé d'informations que j'ai eues sur moi. Mais tu vas avoir peur. C'est parce que je suis en situation régulière et que je n'ai rien à cacher. Sinon, je ne mettrai plus jamais mes pieds là-bas. C'est pire que les États-Unis. C'est un état militaire, policier. Même à l'hôtel, le vigile de l'hôtel, c'est un policier. Le réceptionniste, c'est un policier. Tu ne peux pas arriver en Israël, tu mets une bombe facilement. C'est le pays le plus protégé au monde. Tout le monde te suit. Le taximan te suit. Et les gens sont en train de raconter que oui, oh putain, quand moi, il a tellement d'argent, je vais laisser mes enfants. J'ai une fille de 2 ans. Vous pensez que ça me plaît de laisser mon enfant une semaine aller en Israël, dépenser les sous? La pension retraite que je pouvais garder. Des gens sont là, ils bavardent, ils racontent. Parce que jusqu'à eux, ils osaient me dire. J'étais accusé à tort chez Marx parce que je ne t'aime pas. Tout simplement. Voilà la révolution. Donc, quand moi, je suis devenu Paul Biya, jusqu'à certains sont allés dire, oh, ils étaient à Genève. Non, alors que non, chers combattants. Je rends toujours hommage aujourd'hui. Je rends hommage aujourd'hui au commandant Kemta qui nous a inspiré d'aller à Genève. Et il y a un frère à Londres, Jean-Pierre Dupont, qui a eu les mêmes informations que nous, on avait reçues. Aujourd'hui, il a remis ça sur sa page à jour. Allez sur sa page, vous verrez que les informations qu'on avait, c'était des très bonnes informations. Pareil, dilatoire, la dissension. Oh, c'est quand moi, il fait ça. Oh, il fait ça. Alors que non, non. Le combat, c'est l'alternance au Cameroun. L'alternance au Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas montrer les beaux yeux ou dit que oui, j'ai dragué tel, j'ai fait. Non, on s'en fout. Donc là, aujourd'hui, je te rejoins dans l'appel que tu as lancé en invitant effectivement tous les combattants, malgré les guerres intestines, à être solidaires d'une seule bouche. Si tu n'aimes pas qu'à moi, aime pas qu'à moi, la panthère. Il n'est pas beau comme tu es beau, ce n'est pas grave. Mais aime qu'à moi, le combattant, parce que tu sais que tu peux compter sur qu'à moi, sur une nation forte. Tu peux compter sur quand moi, si on veut mettre une stratégie, on peut l'utiliser. C'est ça qui importe, parce qu'on veut le changement. Et je voulais dire, je vais faire une remarque aussi, avant de continuer, que la sœur qui est passée avant moi, j'aime bien sa façon de parler, mais la basse, ce n'est pas une basse de Bamileke. Elle a parlé en français, elle a parlé en anglais. Il est hors de question qu'elle prenne 3 minutes pour parler en Bamileke. Parce qu'il y a 668 personnes qui te suivent. Non, quel qu'en soit le message qu'elle te donnait, elle te le donne en inbox. Il n'y a pas une langue Bamileke. Non, je ne te laisserai pas dire ça comme moi. Je ne te laisserai pas dire ce genre de choses.
Pourquoi? Parce que Ça se fait en direct, Bertie. Non, c'est ton droit de le dire. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. C'est qu'en fait, tu n'as pas compris le concept. Tu n'as pas compris le concept. J'ai fait plusieurs autres directs ici où j'invite les gens. À la fin de leur message, je leur dis, parlez en votre langue. J'ai Mais ce n'était invité pas le cas cela ce depuis. matin. Tu n'as pas dit qu'à la fin, comme moi je suis bahanté, à la fin je vais dire OK, je vais parler en bahanté. Parce que tu as lancé quand même un appel qui est fort. Tu comprends même par respect pour tous ceux qui nous Oui. regardent. Moi, il y a une Non, blogueuse qui fait pas souvent moi, des pas trucs moi. en Le problème, Mindoumba. c'est lequel? Pas moi. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand tu parles, je ne te coupe pas. Le problème, c'est que tu ne me laisses pas t'expliquer. Je t'écoute, Moi, Bertie. Mea culpa, je voilà. t'écoute. Chacun est libre ici s'il veut passer. Nous sommes dans ce qu'on appelle vérité et réconciliation. Je dis, si j'ai peut-être choqué un camarade combattant, si peut-être par erreur, j'ai eu à faire quelque chose de mal à un camarade combattant, je suis désolé, je m'en excuse. De toute façon, dans ma tête, je ne reconnais pas avoir manqué du respect à un camarade combattant, sinon j'aurais fait Non, je ne là-bas. parlais pas de toi, Bertie. Je Non, sais que tu es attends. quelqu'un de. C'est juste un Je ne parlais exemple. pas de C'est toi. juste un exemple. C'est juste un exemple. Et je vais te poser une question juste par la suite. La question est trop simple. Tout à Est-ce fait. que tu reconnais qu'à moi, peut-être avoir manqué du respect à un camarade combattant et tu souhaiterais aujourd'hui demander pardon et qu'on reprenne le combat dans la paix? Non, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas à l'accusé d'apporter des preuves. C'est à l'accusateur. Tu comprends? S'il y a un combattant qui s'est senti frustré par mes paroles, qui m'appelle, je le ferai. S'il y a un combattant que dans un direct, j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, je le ferai. Il y a encore un mois, on a eu des informations controversées parce qu'on avait un petit groupe où il y avait une combattante de la Suisse qui était tout le temps avec moi, qui était tout le temps avec moi. Donc c'est rentré un peu comme dans les histoires de Congo. Ça, nous, on en a voulu parce qu'on nous a dit qu'elle est une infiltrée. J'ai fait dans le direct, je l'ai affiché pratiquement, mais dans mon dernier direct, après recoupement d'informations, on s'est rendu compte en fait que c'est les gens qui cherchent à nous mélanger. J'ai demandé pardon avant même de commencer mon direct. Je suis quelqu'un d'homme. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un homme comme tout le monde qui est bon, qui est mauvais. Et quand tu fais une erreur, tu t'excuses. On a grandi dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là. Je ne vois pas pourquoi, par orgueil ou par grandeur, je vais manquer de respect à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui s'est senti un jour offusqué par mes paroles, il n'a qu'à m'envoyer un message. On va en parler. S'il veut que je le fasse dans les cas d'un direct, si je le fais dans un direct, je le ferai. Mais je te le dis à toi, Bertie, la seule personne sur la toile à qui je ne demanderai jamais pardon, c'est cette blogueuse qu'on appelle Fleur de Lille. Quand j'ai eu les écoutes où cette dame a négocié avec le gouvernement de Mbilia pour aller chercher sa mère au Cameroun, pour venir déstabiliser Zaba, je l'ai dit ici, les combattants sont allés chez eux me combattre. Voilà la vérité qui est en train de tomber. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est vrai ce que Voilà tu la dis là. vérité. Mais c'est vrai, je l'ai dit dans mes directs. Moi, Je je suis l'ai dit. pas. En tout cas, je suis pas au J'ai courant. Mais parlé avec je Président sais que Hamon, c'est avec extraordinaire. l'histoire de 298 millions de francs CFA qu'ils avaient organisé à Kribi, avec le neveu, avec la nièce du président Paul Biya, Cathy Simon Meba, avec son amant Clément Meka, j'en avais parlé dans mon direct. Les caméramans ont su ça après. C'est pour ça qu'ils sont allés au Cameroun chercher leur part. Et c'est pendant cet épisode-là que cette dame allait chercher sa mère au Cameroun en se cachant, en passant par le Tchad, en arrivant à Yaoundé, masquée. Ils ont eu un arrangement. Je l'ai dit dans mon direct. Je l'ai dit. Même Amot a été floué dans l'histoire, je l'ai dit. Lui, il a su à la dernière minute. Vous pensez que nous, quand on travaille, j'ai entendu certains dire qu'ils connaissent tout le monde. Oui, je connais tout le monde parce que je travaille au renseignement. Oui, je connais tout le monde parce que si je ne connaissais pas Dinassi Lotik, les gars m'auraient arrêté à Yaoundé pour me tuer. La dernière fois, j'ai donné mes codes à mon cousin, il s'est connecté à Yaoundé comme c'était moi. Les gens m'ont cherché dans Yaoundé parce qu'ils avaient cette bonne information. Et c'est ça, c'est cette histoire qui a cassé leur basse à eux, les brigades d'anti-Sardinat, c'est eux, des patriotes. C'est suite à cette histoire. Je l'ai dit dans mes directs. Et j'ai été surpris que 3 jours après, je vois les Colibris passer là-bas, les Serge Onango passer là-bas pour me déstabiliser. Voilà donc cette fille-là qui aujourd'hui était en mission commandée par le régime de Mbia. La récompense était de faire venir sa mère.
faire venir sa mère. C'est eux qui ont négocié. C'est les neveux de Mbia, Cathy Simon Meba, je cite encore les noms, et Evra, qui ont négocié pour que sa mère puisse venir. Fleur Delis a dit qu'elle a 38, 36 ans. Mais à 36 ans, on ne fait pas le regroupement familial d'une maman. Il y a les lois en France. C'est eux qui l'ont fait, je l'ai dit dans mes directs. Qui m'a écouté? Mais les combattants, j'ai vu le calibri. Oh, Kamoua, oh, les Anango, ils sont passés. Non, les gars. J'ai travaillé au renseignement dans la Légion. À la Légion, je n'étais pas un cuisinier. Donc, je sais comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je le dis encore. Quand même les mêmes combattants qui sont allés dire que Kamoua est visible. J'ai fait une vidéo pour les insulter la dernière fois. J'étais à mon boulot. Arrêtez la distraction. Le combat, ce n'est pas Kamoua la Panthère, ce n'est pas Berti, ce n'est pas Wanto. Même Wanto, j'étais contre Wanto à un moment. Je me suis dit quand même, ce monsieur-là met aussi sa vie au Cameroun. Je ne vais pas passer mon temps parce qu'on m'a dit que Wanto a fait ça sur toi, il a fait ça, je vais le laisser. Non. J'ai vu que ce monsieur veut le changement au Cameroun. Les gens m'ont dit que les Nitio, j'ai dit que ce n'est pas grave. Les Kemta, j'ai dit, ils veulent le changement. On a le même objectif. Chacun sa méthode. J'ai dit à mes amis du Canada, Pidjal, c'est mon cousin au Canada. Je lui ai dit, à Hilda, la Camerounaise, on va fonctionner en syndicat. Chacun fait son truc. Si on a un seul objectif commun, c'est ça l'essentiel. On n'est pas obligé de s'habiller tous pareil. Vous avez vu les Algériens s'élever. Parmi les Algériens, il y avait des pousseurs, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait des sans-papiers. Ils ne se sont pas levés pour dire, je suis Bamiléken, je suis ça, je suis d'Abbas ou je suis ça. Tous les Algériens se sont levés et en 3 jours, le gouvernement a craqué. Voilà ce qu'on veut. C'est cette osmose-là qu'on veut. Et au début, on l'avait. On l'avait. Je me rappelle au premier conseil chez Loz, comment les gens nous ont regardés. Ils ont dit, vous nous donnez espoir. Faites-le, faites-le. Si ça avait continué, on ne serait même pas arrivé au 26. Kamto serait dehors, Kamto serait jamais en prison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a déjà oublié Vassero. Je n'ai jamais caché que je sortais. J'allais en boîte tous les week-ends. J'allais au Phuket. Mais que quelqu'un me dise encore aujourd'hui que j'ai vu Kamoua hier, samedi, vendredi, jamais. Quand on mène un combat, on fait des restrictions budgétaires et on fait même des restrictions morales. On s'interdit des choses. J'ai écouté le fils du planteur hier. J'ai dit que non, ce monsieur, pareil, c'est des gens qui ont des idées. On ne va pas nous opposer sur des malentendus. Il dit non. On ne va pas dire, Bertil, comme s'il ne t'aime pas, je vais rester là. Mais je t'écoute, je vois ce que tu proposes. Si c'est bien, j'adhère. Si ce n'est pas bien, je me recule. Mais pour moi, avoir cette ouverture d'esprit. Mais finalement, on se rend compte, on se combat, les Sardinas sont en train de rigoler. On voit qu'à moi, à Genève, les gars, ils font des pauses pour dire oui, il allait se balader. Non, monsieur, allez vous balader en Israël une semaine. Allez-y, vous balader. Vous pensez que je n'ai rien à faire. Je vais poser une semaine de mon boulot. Je vais laisser ma fille de 2 ans sans l'accompagner à la crèche pour aller me balader en Israël. Ben, c'est un pays de rêve. Ça dépend de Limbé. Ma plage au noir que j'adore. Je ne suis même pas sûr de revoir dans les mois prochains. Mais vous êtes des marrants. Vous êtes des rigolos. Vous savez, quelqu'un dit oui. Le manager de Benka a donné 150 000 euros à Kamoua. Mais réfléchissez. Pour ceux qui sont en région parisienne, un spectacle maximum, c'est 20 000 euros. Avec l'organisation, le prix des artistes, des DJ et la sécurité, la boisson. Quel manager doit donner 150 000 à Bendeka et Bendeka donne 75 000 euros à Kamoua? Au lieu qu'il aille construire la maison, la case de son père avec Adaido, il donne 75 000 euros. Mais apprenez, arrêtez de prendre des gens pour des bêtes. Des gens sont dans des groupes WhatsApp. Au lieu de discuter d'idées, ils sont en train de discuter les stratégies pour combattre les autres combattants. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Paul Biya rigole. Paul Biya rigole. J'étais à Lyon. J'ai vu Brent en train de fumer. Les gens aujourd'hui reviennent et disent que non, c'était faux. Mais attendez, arrêtez. Venez de proposer autre chose. Si je t'ai dit, ma chaussure est blanche, tu me dis que non, je pense qu'elle n'est pas blanche. Pour moi, qu'elle est noire. Point. Apporte une idée. On ne discute pas dans le vide. Et on ne peut plus accepter d'être manipulé. Moi, j'ai dit stop à la distraction. Que les gens qui sont là sur la toile pour faire du striptease moral, qui vont dans leur registre, mais qui ne détruisent pas les combattants. Moi, j'ai vu les seules laines, parce qu'on me raconte, j'ai vu, et j'étais avec moi. Et je le dis, Calibri était derrière, il se cachait.
Mais Larry, mais Karel était avec moi. À l'époque, avec général Barra. Zogo était là. On a dit que Zogo était traître. Qu'est-ce que Zogo a mis comme traître? Qu'est-ce qui fait de lui un traître? Parce qu'il y a un petit groupe qui a décidé qu'il faut qu'on élimine Zogo. Il faut qu'on élimine Zogo. Et tout de suite, on le met traître. Il y a un petit groupe qui a décidé qu'il faut qu'on élimine Niat. Il faut qu'on dise Niat, 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 c'est un voleur. Alors que Platini a dit il y a deux jours, il faudrait que les gens demandent des excuses à Niat parce qu'il a appelé tous ceux qui étaient à Lyon. Niat les a tous remboursés de son argent. Et pour vous dire encore la méchanceté des Camerounais, ça, on ne vous l'a jamais dit. Niat avait remboursé de son argent personnel et certains sont allés signaler le litige pour dire que c'était un litige illégal. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelques récemment qui sont rentrés en possession des fonds qu'on disait qu'ils avaient escroqués. Ils sont allés signaler le litige. Il fallait prouver que c'est une association. Il fallait prouver. Mais en attendant, les gens étaient en train de le saboter pour dire qu'il a volé le litige. C'est du fils de corbeau, le petit frère d'Anango, Nia lui a donné l'argent devant tout le monde. Et Platini a appelé tous ceux à qui Nia, ils ont dit oui, Nia m'a donné l'argent. Et c'est les mêmes qui vont dire que Nia a escroqué le litige. Est-ce qu'il gérait le litige? Il a retiré l'argent de sa poche. Une seconde, s'il te plaît. On n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le faux. On est ici dans ce qu'on appelle la vérité et la réconciliation. Je pense que l'initiative de ma part, en fait, ma façon de voir les choses, je pense qu'à un moment, oui, on peut se donner des coups parce qu'on est avant tout des frères. Ce qui doit primer, c'est le Cameroun. Si tu c'est as le Cameroun envie, si tu as envie voilà, de conclure, qu'est-ce que tu diras comme conclusion? Tu as dit tout à l'heure, de toute façon, tu ne te reproches de rien parce que si tu te reprochais de quoi que ce soit, tu aurais demandé pardon ici à Mondovision. Si tu as donc quelque chose à rajouter, si tu as envie de dire quelque chose de plus pour conclure le direct, ce sera quoi? Pour conclure, je veux juste te dire, Bertie, il faut que les gens prennent les responsabilités. Il ne faut pas, comme on dit des fois en France, il ne faut pas que ce soit une justice à deux vitesses. Quand les gens vont se décider d'insulter El Cheno, et tout le monde va passer à insulter El Cheno, c'est la même chose aussi quand on va se décider d'insulter Serge Anango, que les mêmes personnes assument. Moi, je dis aujourd'hui à Calibri, qui est passé dans le direct insulter El Cheno gratuitement, car elle lui a posé la question, prends tes responsabilités, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, c'est mon ami. Dans le combat, il n'y a pas d'amis. Quand tu es dans un combat de raisins, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de fraternité. On parlait d'idées. On parle d'idées du Cameroun. Voilà donc que cette distraction nous remet qu'on ne parle même plus de Maurice Kamto. On ne parle plus de Vassero. On ne parle plus de Pente Coca. Je vais passer ce message parce qu'il y a beaucoup d'autres camarades blogueurs, d'autres camarades combattants en ligne. C'est important cette vérité et cette réconciliation entre nous combattants. Et mon souhait, c'est qu'on mette fin à tout ça au trop tard, dimanche soir, et surtout qu'à partir de lundi, si chacun a vraiment tout versé, on reparte sur des nouvelles bases. Franchement, on reparte sur des nouvelles bases parce que les gens sont en train de nous regarder et nous avons des les gens nous regardent. Le Camerounais. Alors, Nia, est-ce que tu as tout versé? Tu as quelque chose à dire pour conclure? Non, je n'ai vraiment rien à dire. Bertie, vraiment, comme je te disais tantôt, je suis ouvert pour la réconciliation, pour la discussion. Je pense que quand même que dans certains pays, on avait encore eu ce qu'on appelait la conférence nationale, les semaines de réconciliation. Et puis, j'aimerais dire vraiment le gros message qu'il faudrait que, sincèrement, en début de semaine, on essaye d'arrêter ces élucubrations-là, ces hérésies qui nous distraient. Il ne faut pas que ce soit dilatoire. Il faudrait effectivement que les gens on se concentre sur le véritable combat. Je ne peux pas être, si je ne suis pas ami avec Marc Senior, mais s'il a une idée et que je vois que c'est pour la libération du Cameroun, j'adhère. Parce que l'objectif, c'est celui-là. C'est que ce monsieur-là quitte le Cameroun. C'est même pas qu'il meurt, mais qu'il quitte le pouvoir. Parce que trop, c'est trop. Enough is enough. Et aussi, j'aimerais qu'on motive nos frères du Cameroun, comme ça s'est passé dans notre page. Parce qu'il y a beaucoup de combattants au Cameroun qui ont été découragés ces trois dernières semaines à cause des élucubrations du cul de la basse en France. Motivons ces frères-là. Poussons-les à se battre. On va tout relancer. Voilà. On va primer. Motivons ces frères-là. Poussons-les à créer des brigades au Cameroun. Et comme je dis encore, arrêtez les titres des généraux. Celui qui est général, il va au Cameroun maintenant.
J'ai eu Raymond Kota au téléphone. Il m'a dit qu'il est au Nigeria. Celui qui veut, celui qui dit qu'il est un général, il vient avec nous. On s'en dit avec Raymond Kota. On va vraiment au Cameroun. On va voir ce qu'est le général sur le terrain. Parce que c'est très beau de se mettre derrière son ordinateur au salon, mettre des chapeaux de bouffon et dire que je suis général et tout. C'est au Cameroun que ça se passe. Motivons nos frères du Cameroun. Les gens nous regardent. Les gens crient en nous. Il faut tout verser, libérer. Moi, j'ai versé. Les gens s'assiedent sur le canapé, ils se mettent à insulter carrément des gens. Mais arrêtez, c'est quoi ce cinéma-là? Raymond Kota, je vous dis, il est au Nigeria. Il est au Nigeria en ce moment. Celui qui me dit qu'il est général, il est commandé, le colonel. On se met, on prend des stratégies, on va au Nigeria. Et là, on va voir les commandants. Mais arrêtez, on ne fait pas la guerre à un régime sanguinaire de 37 ans en restant dans son salon. On ne fait pas cette guerre-là. Parce que derrière eux, ils ont des érudits. Ils ont des Israéliens avec eux. Ils ont les meilleurs Américains avec eux qui sont en train de tout faire. Ils ont même Facebook avec eux pour nous dérouter du combat. Donc, on ne reste pas assis sur son canapé, on bavarde. Le blablabla, là, les journées de direct que vous faites, je trouve ça insensé. Je le dis, c'est insensé. On ne peut pas faire le direct. Le direct, ce n'est pas une série télé. Ce n'est pas Dynastie. Les gens se connaissent pour regarder ça, comme c'était les putes comme Fleur de Lille qui sont en train de regarder les godes. Regardez les vidéos qui tournent sur Facebook aujourd'hui. Les gens qu'on nous distrait avec ça, on voit nos petites sœurs de 12 ans. Et les gens sont là, ils vont dans un direct de cette pute en disant qu'ils sont des combattants. Mais regardez-vous dans un miroir. Mais enough is enough. Arrêtez vos bêtises. Toi, tu parlais de l'oum. Ma mère fait 15 ans en Banga. Moi, j'ai grandi à Limbé. Je sais ce que c'est que la souffrance. J'ai eu l'honneur de côtoyer la pyro de Mbanga. Je vous dis, le combat, ça ne se fait pas derrière un canapé. Ça se fait sur le terrain. Et quand on ne peut pas, on donne les moyens à nos frères du Cameroun qui puissent le faire. On ne se met pas à faire 15 heures de direct. Vous ne travaillez pas? Vous n'avez pas de famille? C'est une série télé? Mais arrêtez! On mange les directs. On mange les likes. On oublie Maurice Kamto. On oublie Pendé Okoka. On oublie Valsero. Et je vois les petits bouffons qui ne font que parler de l'Angola du Sud. C'est pour ça qu'il faut en parler une bonne fois pour toutes et passer à autre chose. Je suis d'accord. Mais les gens ont le droit de se libérer. Hein. Les gens ont le droit de verser, de sortir tout ce qu'ils ont. On a tout oublié. On a oublié l'essentiel, Bertie. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. C'est ça, distraction. Ceux qui sont venus pour nous distraire là, mettez-vous de côté. Voilà Junior Zogo qui a combattu Mebengo toute sa vie, qui était fonctionnaire de police au Cameroun. Quand on a chassé, il a fui dans une pirogue. Les gens ont décidé soit que c'est un traître. C'est un traître. Alors que si lui n'était pas avec nous à Rennes, on aurait été tous arrêtés. Tous. Je prends à témoin la sœur Karel qui est avec nous à Lyon. S'il n'était pas là pour observer. Et je vois les combattants qui vont sur Fleur de Lille donner les stratégies qu'on avait à Rennes. Et je vous dis, le concert de Rennes, c'était un fiasco. Et par contre, ils ne vous ont pas dit qu'à 3h30, on allait couper l'interrupteur. Quand c'est bon, ils ne disent pas. Mais quand c'est pour dire que oui, quand on va frapper quelqu'un, oui, ils sont très forts pour saboter quand on va. Mais ils n'ont pas dit qu'à 3h30, quand moi et le capitaine Bosco, on était deux, on allait couper l'interrupteur, la soirée s'est arrêtée. Ils étaient où? Ils avaient tous fui. Tous fui. Comme ils ont fui à Lyon. Quand le combattant s'est blessé à Lyon à l'œil, j'étais en plein gaz lacrymogène. Il y avait quel combattant avec moi? Personne. Il n'y avait que Suzanne Barra et moi. C'est moi qui ai appelé les secours. C'est moi qui ai attendu les pompiers. Ça, ils ne le disent jamais. Comme à Rennes, on a coupé l'interrupteur, ils ont tous fui, il n'y a plus aucun combattant. Je me suis retourné, il n'y avait que capitaine Bosco derrière moi et Zogo. Tout le monde avait fui. Tout le monde. Ça, ils ne le diront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand il fait qu'elle soit bien, il ne faut pas l'encenser. Non, je ne cherche pas les honneurs. Je ne cherche pas les honneurs parce que quand je le faisais avec mon cœur. Et je le fais toujours avec mon cœur. Et personne ne va, je dis bien, personne ne va me distraire dans ce combat. Parce que je sais que si aujourd'hui, on dit, le professeur Maurice Kamto a bien dit, il est ouvert à la discussion. C'est à celui qui a perdu, qui revendique la victoire, il est ouvert. Donc même si on a discuté avec ce gouvernement aujourd'hui, pour chercher une fuite de Paul Biya, il faudrait quand même qu'il y ait des hommes.
capable d'avoir des arguments et de le dire. On ne va pas chercher des girouettes et mettre devant. Mais c'est quand même incroyable. Regardez bien ce que Boris Berthaud est en train de faire depuis des années. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il s'est pratiquement même dissocié de ça. Il a continué le travail en solitaire qu'il faisait. Et je vous dis encore que certains combattants de l'autre côté ont passé 3 ans, 4 ans à insulter Boris Berthaud sur la toile, à le traiter de PD, à faire des trucs. Mais il a pris sur lui, il a dit, si tout le monde est pour le chassement de Paul Biya, je suis avec eux. Il a mis son ego de côté, il a travaillé avec eux. Aujourd'hui, il travaille en solitaire comme avant. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que le régime sanguinaire de Paul Biya au Cameroun, ce n'est pas un régime d'amateurs. Ils ont les meilleurs hackers. Ils ont les meilleurs informaticiens. Ils ont le meilleur service de renseignement. Donc, ils peuvent tout faire. Je vous ai pris le cas. Je vous dis bien, Flor Magina Kinkam, j'assume, elle peut me déposer plainte. J'ai dit, jamais de la vie, ne vous alliez à cette fille. Elle travaille avec le régime Biya. J'ai discuté avec Amos. Et si elle discute, je vais mettre les voices. J'ai écouté Amos, je l'ai enregistré. Lui-même, il était fâché. Il était fâché. Parce que tout ce qu'il voulait, il fallait que tout passe par lui pour qu'on négocie. Il n'était pas fâché parce qu'il ne voulait pas. Mais parce qu'il fallait qu'on passe par lui pour négocier avec Flor. J'ai les voices. Donc celui qui n'est pas content, on est en France, allez me faire un dépôt de plainte. Et j'ai dit, dans ce combat, on ne se mélange pas à ces gens-là. Les Allemands utilisaient des putes pour avoir des renseignements, comme le gouvernement bien utilisait ces putes-là pour nous déstabiliser. On ne va pas tomber là-dedans. Et on a très bien compris. On a très bien compris parce que c'est les intérêts personnels qui priment. Moi qui vous parle là, j'en ai rien à foutre si j'ai décidé de ne plus aller au Cameroun. Toute ma famille est ici. Le général Barret est témoin. Elle était à Bruxelles chez ma mère. Elle était à Bondy chez ma soeur. Elle connaît toute ma famille. On est tous ici, tous. Vous pensez qu'on peut prendre ce risque-là parce qu'on n'est pas amoureux du Cameroun? On peut mettre nos vies comme ça parce qu'on va passer sur Facebook? Si vous voulez regarder les vidéos de Cameroun Panté, allez regarder il y a 10 ans. J'aime voyager. J'ai mis mes vidéos sur Internet. Ce n'est pas un truc. Mais dans ce combat, je ne voyage même plus. J'allais 4 fois par an aux États-Unis. 4 fois par an. C'est mon village. Et au Canada. Demande à Pidal, le responsable d'Abbas au Canada. Les gens aujourd'hui, parce qu'ils vont se faire voir, ils nous affichent leur maison, ils décident d'être les juges des procureurs sur Facebook pour détruire les combattants. Mais de qui se moque-t-on? L'objectif, c'est les combattants, c'est Paul Biya. Les gens m'ont monté contre Wanto. Ils m'ont monté contre le fils du planteur. Ils m'ont dit, ce gars-là, il est comme ça. Je vous dis, Bertie, je te dis, j'ai suivi ton direct hier ou avant-hier où le fils du planteur est intervenu. J'ai dit, voilà des hommes qu'on veut pour le Cameroun. Il parlait de la réforme agraire. Son discours m'a tellement plu. J'ai dit, voilà quelqu'un en toute humilité que j'ai même failli détester gratuitement. Gratuitement. Parce qu'il y a tous les gens, des esprits mal intentionnés. Il a dit ça sur toi, il a fait comme ça, il va te piéger. Non! Ne soyons pas maso ou psychopathe dans nos têtes. Prenons le temps de s'écouter. Ce Cameroun, il n'est pas au Cameroun de Cameroun de Bertie. C'est au Cameroun de 25 millions de personnes. Il y a les gens qui croient en nous. Vraiment, arrêtons la distraction. Arrêtons ça. Restons focalisés sur le combat. Et je dis encore, j'ai été même un peu dans ce jeu-là parce que inconsciemment ou maladroitement, je n'ai même pas discuté avec certaines personnes à tort aujourd'hui. Je me rends compte à tort parce qu'on s'était sur les on-dit, les u-dit. Non. Ensuite, j'observe. Je fais. Les gens nous ont critiqués. Oui, vous annoncez, vous voyez. Personne n'était au courant de notre opération en Israël. Et ça a porté des fruits. Mais je vous le dis aujourd'hui. Si Mbengo est en prison, c'est parce qu'on a mis de la pression aux généraux israéliens. Et je vous dis, ces gens ne nous aiment pas. C'est des commerçants. En Israël, les généraux vont à la retraite à 52, maximum 55 ans. Ils prennent leur retraite, ils font les affaires avec les pays d'Afrique. Ils font les affaires. C'est ça qui les donne. Vous allez voir un général, quand il est sportif, vous pouvez même lui donner 40 ans. Il te dit qu'il a 54 ans. Mais c'est un businessman. Et c'est eux qui traitent à Mbengo. Et Mbengo les doit encore de l'argent. Ils ont mis une pression à Mbengo. Les gens sont allés saboter Carlos Bouindé. Mais vous ne savez pas le travail que Carlos fait. Tous les contacts d'Israël, tous les généraux, tous les parlementaires, c'est Carlos Bouindé qui les a. Tous. Tous. Je suis rentré vendredi, ils sont restés encore 3 jours. Alors, je vous parle. Carlos est encore en Pologne en train de négocier avec certaines personnes.
Les gens vont aller bavader, raconter des histoires farfelues, qu'on n'a pas besoin d'argent. Je vous l'ai dit, je suis né pauvre. Je mourrai pauvre s'il le faut, mais je vivrai heureux. Je ne devrai rien à personne. Je touche le bois, je ne manque de rien, j'ai un travail, mes enfants sont en bonne santé, et moi, pour le moment, ça me suffit. Il y a des gens, je vous dis au Cameroun, j'ai des amis qui sont commissaires de police, qui n'ont jamais pris 500 francs CFA à quelqu'un. Quand vous dites que merci, donnez ça à votre fils. Mais par contre, il y a des commissaires qui ont 15 maisons au Cameroun. C'est comme ça, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est une hygiène de vie. Donc arrêtez de nous distraire. Arrêtez de distraire les combattants. Donc Bertie, avec toute l'humilité que je te connais, j'aimerais que tu rentres en contact avec El Tchenou, que tu rentres en contact avec El Tchenou, tu le ramènes dans ce combat. On a besoin de tout le monde. Parce que les histoires d'El Tchenou, c'est des histoires qui n'ont rien à voir avec le combat. C'est des histoires privées. J'aimerais, Niat est mon petit frère, Niat a giflé El Tchenou à Bruxelles, El Tchenou a fui, j'ai appelé Niat, j'ai dit qu'on ne fait pas ça. Parce que s'il fallait le faire, je l'aurais tapé à Paris. J'ai vu El Tchenou, je ne l'ai pas touché. 16 ans Nango m'a insulté sur Facebook. 16 ans Nango m'a insulté sur Facebook. Mon petit frère, le capitaine Bosco, attrapé 16 ans en Ango le jour de la marche au Trocadéro. Il a dit, c'est toi qui m'avais dit le cul de ma mère, dis-le maintenant en face. Il s'est trouvé tout con. Il a dit que non, c'est le game de Facebook. C'est le game de Facebook. Donc, s'il te plaît, je te conseille, je te loue d'appeler El Tchenou. Je sais que vous avez une réunion demain. Faites-le. Appelez Junior Zogo. Appelez tous ceux-là. Appelez les Jarnoumsi. Quand on est en train de diviser pour mettre de côté, appelez les Patago qui étaient au bras droit de El Tchenou en Allemagne à l'époque, qui même m'a appelé pour s'excuser en me disant clairement que quand moi, quand on a saboté, je ne te connaissais pas. Quand j'ai vu c'était toi, vraiment j'ai eu mal parce que ça a été défaut. Appelez tous ces gens-là parce qu'une seule main, un seul doigt ne peut pas tasser une feuille de manioc, ne peut pas tasser une boule de manioc, vraiment. Nous, on mangeait le coquille quand on était jeunes. Dans des feuilles, avec un seul doigt, on ne peut pas. Donc, il faut tous ces doigts-là. Bon, avec toute l'humilité, avec tout le calme que tu as et avec ton esprit d'apaisement, vraiment, je compte sur toi. Fais cette proposition à votre réunion de demain. Appelez tous ces mecs-là qui t'ont fait un direct de réconciliation. Oui, on fera un direct de réconciliation, mais pas un marathon de direct. Un marathon direct, c'est la pure distraction. Plus distraction. On fait nos actions derrière. Ceux qui sont pour, ils viennent. Ceux qui ne sont pas pour, ils se mettent off. Point. On ne force personne. On ne dit jamais à quelqu'un de porter une tenue de combattant. Et par rapport à ça aussi, je dis à tous ceux pseudo-généraux, commandants, lieutenants, capitaines, taisez-vous. Vous manquez de respect à l'armée déjà. Ça, c'est un grand manque de respect. Ces gars-là se méritent. On peut avoir un simple soldat qui commence sergent et qui termine colonel. Taisez-vous, c'est un manque de respect. Vous vous moquez du Cameroun, mais vous prenez au Cameroun comme une porcherie. Non, c'est un mec qui s'en fout sur le canapé, dit que général. C'est que Cameroun, ça. Mais vous manquez de respect à tous les officiers camerounais qui sont aux États-Unis, qui sont à West Point. J'ai un ami à Miami qui travaille dans la police dans la police américaine. Et qui a fait 10 ans d'armée aux États-Unis. J'ai encore un ami de Bafoutam, Cyril, qui est capitaine de l'armée américaine. Je vois le mec assis sur les trucs, qui n'ont jamais écouté le crépitement d'une balle, que quand tu le gifles, il fuit. Il dit général, il dit commandant, colonel, vous vous moquez du Cameroun? Vous pensez que le Cameroun, c'est une république bananière? Alors. On a quand même une école d'armée très importante au Cameroun, l'EMI EMIA. Et je vous dis, le capitaine Thomas Sankara a fait ses armes au Cameroun. Il a fait ses armes au Cameroun avec Blaise Compaoré. Mais respectez ces combattants-là. Arrêtez-moi vos tenues militaires. Vous parlez de quoi? Vous moquez du Cameroun? Respectons le Cameroun. Aimons ce pays. Mais quand même, demain, je ne sais pas, parce qu'il y a deux filles qui nous ont dit « Ouais, t'es beau. Ouais. » Général, du jour au lendemain, général. Tous les profits, c'est généraux. Les gens même ont acheté carrément les tenues militaires sur Internet pour porter. Allez porter ça au Cameroun.
Donc, Bertie, sincèrement, j'aimerais te supplier, je te conjure de rappeler les frères qui ont été injustement bannis. Je dis bien injustement bannis. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Je dis bien injustement. Parce que tout ce qu'on a banni, c'est ceux à qui il n'y avait pas de preuve. C'était que du Congo, ça. De bas étage. Le Congo, ça, de sans papier. Quand les gars se retrouvent au désert, ils n'ont rien à dire. Ils disent que oui, tu ne te rappelles pas la fille qui était comme. Non! La révolution n'a pas besoin de ça. Et la vraie révolution, c'est au pays. Fais, s'il te plaît, un appel à tous nos frères qui reviennent dans les rangs. Mais moi, premier, j'ai oublié depuis. Si je n'avais pas oublié, je ne remettrais pas mon temps et mon énergie pour ces combats. Qui reviennent aux bonnes idées. Vous avez une réunion demain, fais la proposition. Même moi, je suis prêt même à discuter avec Wanto. Je suis prêt à discuter avec Mars. Je suis prêt à discuter avec Salomé Tchatchet. Et comme je vous dis, je n'ai jamais bloqué Salomé Tchatchet puisque toutes les marches, elle me les envoie encore par mon téléphone. Tout, elle me les envoie. Dans ce combat, on ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait si on est amoureux du Cameroun. Je dis bien amoureux du Cameroun. Dans les petits, je ne dis même pas feignants, les petits arrivistes, passez votre chemin. Passez votre chemin. Parce que vous, vous alignez derrière, vous discutez avec le régime, vous faites ça, alors que vous pouvez exploiter un frère. Je suis une source d'information, Bertie. Tous les mouvements de ces gars-là, je les ai. J'ai bossé 10 ans à l'aéroport. Les Camerounais de Paris qui me connaissent le savent. 10 ans à l'aéroport. Donc, l'information, je l'ai. J'ai tous mes anciens collègues là-bas. Quand je veux, on me donne. C'est pour ça que je les traque. C'est pour ça que je les traque. On risque de perdre mon boulot. Et quand je vois des petits cons aller s'asseoir sur Facebook, m'insulter, je dis, mais vous n'avez rien compris dans le truc. Vous n'avez rien compris. Le renseignement, vous n'avez rien compris. Il faut même le faire à la Russe. Les Russes étaient les meilleurs. Un Russe pouvait venir boire une bouteille de vodka, être avec toi, tirer toutes les informations, jouer au truc, et le soir, venir te tuer. Voilà comment on doit faire. Exploiter ces Russes-là. Exploiter ces Israéliens-là. Et pour vous dire, si Paul Bianco est debout, c'est grâce à Israël. La garde présidentielle du Cameroun, c'est Israël. La GP, c'est Israël. Et les officiers de la GP parlent hébreu. Donc, quand ils prennent leur micro, ils ne parlent pas en camerounais ou en douala ou en anglais. Ils parlent en hébreu. Quand tu es un néophyte à côté, tu ne comprends rien. Ils peuvent changer de trajet, tu ne comprends rien. C'est pour ça que le renseignement, c'est toujours bien. Et c'est pour ça qu'on était en Israël. Voilà. On était pour ça. On était au Parlement. On a discuté avec les généraux. On leur a même fait des promesses qu'il faut que mes bons gars tombent. Qu'ils vont travailler avec nous. Je suis rentré sain et sauf d'Israël. Mon équipe est rentrée sain et sauf d'Israël. On n'a rien eu. On n'a pas eu d'empoisonnement. On n'a rien eu parce qu'on était malin. De profiter de ça, les gens sont en train de bavader. J'ai fait un direct à Genève, on me dit, oui, c'est Kemta. Oui, je suis d'accord. Kemta était le précurseur. Ils ont montré le chemin, on a suivi. J'ai vu encore son direct hier où il disait, je suis fier de la relève. Parce qu'il ne sera pas toujours là. Parce que Cameroun ne sera pas toujours là. Mais des gens se reconnaîtront après Kemta, après Kamwa, après Wanto, après tous ces gens qui ont quand même donné un peu de leur temps, de leur vie pour le Cameroun. C'est tout ce qu'on veut. Et si Paul Biya s'en va, je l'ai dit, si Paul Biya s'en va demain, avec tous les risques et périls, même si le billet coûte 15 000 euros, je le prends. Je dis, je meurs à l'aéroport, arrêtez-moi. Je viendrai avec les mains sur la tête, dis que arrêtez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Parce que l'objectif, c'est celui-là. 37 ans de Gabézi au pouvoir, 45 ans de Gabézi dans les arènes du pouvoir, trop, c'est trop. On en a marre. Enough, enough. C'était mon dernier mot, Bertie. Alors, merci pour le combat. Le combat continue. Merci beaucoup, Kamwa Lapanté. Merci vraiment. Merci vraiment de ton intervention. Vous avez vu l'intervention du frère Kamwa. Merci, frère. Et j'espère que vous... À la réconciliation, à l'apaisement, c'était le but de ce direct. J'ai dit, il faut que les combattants tous, sans exception, se mettent ensemble. On peut vider son sac comme il a fait. Chacun a le droit de vider son sac. Ça me semble normal parce qu'on est tous des êtres humains. Mais moi, je l'ai fait pendant 2 jours parce qu'il y a certaines choses dans la révolution, dans la résistance contre le régime tyrannique, qui m'énervaient. Je ne suis pas obligé d'être ami avec les gens.
Ta tête peut ne pas me plaire. Mais si tu fais ce qui est bien, je dirais que tu as fait ce qui est bien. Pendant 2 jours, j'ai sorti tout ce que j'avais au fond. Pour moi, c'est terminé. Et j'ai été encore le premier ici tout à l'heure à encenser Serge Anango en disant lui aussi, oui, même s'il a fait des conneries pendant un certain moment, oui, il s'est aussi battu. Il a dépensé son argent. Il s'est aussi sacrifié pour le même combat que nous menons. J'ai pris le temps ici de saluer tous les combattants et surtout, j'ai invité tous les combattants à repartir sur une nouvelle base. Franchement, qu'il n'y ait plus ce genre de problème entre nous, ça nous fait plutôt reculer. Donc voilà mon message de paix, voilà mon message d'apaisement. Sortez toutes ces vérités-là. Votre ventre, ce n'est pas le, comme on a dit ça, le magasin, comme quelqu'un a commenté tout à l'heure. Sortez tout ce que vous avez au fond de vous. Balancez s'il le faut. Mais si vous voulez le garder pour vous, ne vous plaignez pas après. Ce que vous avez au fond de vous, si vous avez envie de sortir, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste maintenant, essayez de vous réconcilier avec les autres. J'ai dit ici, même par erreur, si j'ai manqué du respect à quelqu'un dans cette résistance, pardonnez-moi. C'est aussi important de demander pardon. On n'est que des êtres humains, on n'a pas toujours raison. Mais j'ai pas eu l'occasion sur le. Bon, il disait, pourquoi la femme, ma femme est venue à parler à ma femme. Moi, j'ai dit, je suis quelqu'un qui défend l'Afrique. Je défends cette Afrique-là qui gagne, je défends ma culture, je défends mes traditions et autres. J'avais invité une seconde de ma sœur, j'avais invité les gens ici. Si c'était ça, on allait aussi accuser Calibri. Parce que Calibri a également fait un direct pendant plus de 20-30 minutes. Il a pris un frère du Nord Cameroun qui parlait en foulbé, je crois. Et pendant des minutes et des minutes, il était en train de parler en foulbé. Il a passé le message en langue foulbé. Et je fais toujours la promotion de notre culture, je fais toujours la promotion de nos langues ici. Il y a des gens qui passent, il y a ceux qui font des messages ici en Bakaté. Moi, j'ai pris des Camerounais qui ont fait des messages. Solange Ekwala, Edouard. Solange Ekwala est passé ici, j'ai dit, ma mère, si tu as envie de passer un message aux frères du pays pour les mobiliser, vas-y, pour les motiver. Elle l'a fait en Douala. Ça n'a pas posé de problème. Donc, j'ai le droit, dans mes directs, de prendre quelqu'un. Ma soeur, je ne sais pas de quel point du Cameroun tu viens, mais si tu peux passer le message à tes frères du pays, en langue maternelle, je suis pour la promotion de nos langues, je suis pour la promotion de nos cultures. Donc, j'ai parlé avec ma soeur tout à l'heure en Bafa. Je ne vois pas où est le problème. Il y a celui qu'on appelle Makakbassa. Makakbassa, il fait des directs. Il parle avec ses frères. Bassa, il invite les gens qui viennent parler en langue de Bassa, ça ne pose pas de problème. Il y a un groupe sur Facebook qu'on appelle Parle que Betty. Tous les jours, quand ils font le travail de Nassim Banga, et tout le groupe là, ils parlent en langue en néon ou d'autres, ça ne pose jamais de problème. Le plus important, c'est que ce soit une langue du Cameroun ou alors une langue africaine. À partir du moment où le message passe, c'est le plus important. Si quelqu'un passe ici, je verrais bien un jour prendre Serge Anango et qu'il passe un message à ses frères en langue tchad, moi je serais content. Donc, à ce niveau, oui, bon, peut-être qu'il s'est un peu trompé en disant, oui, j'ai pris la dame, j'ai parlé en bafa. Oui, j'ai aussi parlé en pidgin. Le pidgin, c'est l'une des langues qui a été beaucoup, je dis bien, à l'époque coloniale, les gens ont communiqué avec ces langues et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Je sors du mugo, donc je parle parfaitement et je parle couramment le pidgin du mugo. C'est un pidgin d'ailleurs très, très compliqué. J'ai des doutes, bon, si je parle, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. C'est un peu vraiment le pidgin pur de la bureau de Baga. Voilà, ma soeur, j'étais roulé quelques minutes de ton temps. Désolé. Je te laisse maintenant parler. Mais si tu peux aussi conclure le direct en parlant en langue maternelle, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. C'est la maison de tout le monde. Voilà, vas-y, ma soeur. Oui, bonjour. Bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent. Depuis des mois, c'est ma toute première fois d'intervenir dans une vidéo. Depuis que je vous vois avec des querelles, je me dis, mais. Peut-être il y a des combattants parmi vous qui ont fait des années peut-être sans mettre pied au Cameroun. J'étais au Cameroun en décembre, mais des personnes qui mélangent des histoires de sang caleçon, excusez-moi pour le thème, avec le combat, s'ils mettent pied au Cameroun maintenant, s'ils voient la manière dont les Camerounais souffrent, s'ils voient la manière dont le Cameroun est devenu le pays champion de poussière dans le monde,
s'ils voient à quoi mais le Cameroun est devenu, je dis, le pays de poussière. Et là, les gens sont opprimés, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dénoncer parce qu'il y a les billes derrière tout le monde. Mais ici, à la diaspora, au lieu de se mettre, de se tenir la main les uns contre les autres pour essayer de faire ce qu'on peut faire à notre niveau pour changer la situation, on mélange le combat avec les histoires de Sankaleson, avec les histoires de telle affaire ceci, telle affaire cela. Vraiment, c'est très, très décevant. C'est très, très, très décevant. Je me demande, même des combattants comme qui passent le temps à se quereller, je me demande où quelqu'un peut trouver le temps en tant que combattant de faire des querelles. Parce que moi, déjà, qui n'ai pas sur le terrain avec moi, je ne peux pas avoir le temps de faire le terrain. C'est pour ça. Voilà. Nous avons un seul problème. Nous avons un seul poison au Cameroun qui est Paul Biya pour le moment. Normalement, tout le monde qui se dit combattant et qui veut le changement pour un Cameroun devrait se concentrer sur le même objectif du chassement. Donc, pour moi, je trouve, si j'interviens aujourd'hui, parce que j'ai trouvé très, très bien ton initiative, c'est de mettre tout le monde ensemble, passant par Kamo la Panthère, Niat et Ezogo. Vous savez, vous croyez que même dans les Sardinats, ils n'ont pas de problème, mais s'ils ont des problèmes aussi des Sardinats, mais ils ne viennent pas exposer sur le marché, ils font tout entre eux pour garder leur régime, quoi. Donc, c'est à nous autres aussi, ici à la diaspora, de se tenir la main entre nous, laisser les petites querelles, tourner la page pour tout ce qui s'était passé et continuer le combat ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est mon petit message que je voulais passer aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire un mot en ta langue maternelle? Oui, je peux dire un mot en ma langue maternelle. Je m'adresse plus... Bon, la personne va se connaître parce qu'elle va comprendre ce que je dis. Voilà. Mon nom est un peu plus de vidéo. Voilà. Nous avons une vidéo à Facebook. Voilà. Nous avons tourné un film X. Nous avons fait ça et nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Se mêlé à une révolution. Sur Facebook, nous avons une vidéo. Nous avons fait ça. Une vidéo. Nous avons fait clash. Clash pour révolution à Tita Ajoua, ce n'est pas pareil. Ne mélangeons pas les pédales. Il y a des millions de Camerounais qui souffrent. Ici, il ne paiera pas. Moi, en France, personne ne dort affamé ici en France. Mais au Cameroun, les gens meurent. Ils ont besoin de nous. Donc, ils ne sont pas à l'époque, il n'y a pas pour ça. Ah oui, ils sont à l'île, ils sont à l'île, ils sont à l'île. Ils sont à l'île, ils sont à l'île, ils sont à l'île, ils sont à l'île, ils sont à combattre la dictature Paul Biya. Ils combattre la dictature Paul Biya à Cameroun. Ils sont à l'île, ils sont à l'île, ils sont à l'île. Ok, merci. C'est fini. Merci, ma soeur. Voilà. Je laisse la parole. Tu t'es très bien débrouillé. Voilà. Tu t'es très bien débrouillé, ma soeur. Donc, moi, c'est ce que je fais ici tout le temps. Donc, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un souci particulier à ce niveau. Fils du planteur. Il y a des personnes. Donc, on est ici dans l'apaisement et je pense que c'est important. Balancer tout ce que vous avez envie de balancer. C'est important aussi. Lui dire. C'est important de dire ce qu'on pense. Mais surtout, je pense qu'il y a un temps pour ça et qu'on mettra fin à ça d'ici demain soir et qu'à partir de lundi, on va proposer autre chose aux Camerounais qui nous regardent. Ma soeur Diana, respecte, tu vas bien, respecte, tu n'es pas en train de conduire. Ce n'est pas toi qui conduis. Bonjour, Bertie. Bonjour, monsieur. Bonjour, on t'écoute, ma soeur, vas-y. Beaucoup de courage, très belle initiative. Mais j'avais juste deux mots à rajouter. Se réconcilier sera la meilleure chose à faire, mais en même temps, il faudrait qu'on prenne en compte les idées de tout le monde. Parce que si à chaque fois, chacun va dire que c'est moi qui ai fait ça, parce que quand on travaille en groupe, il faudrait que les résultats soient partagés dans le groupe. S'il faille que des gens combattent ensemble et qu'après, d'aucuns disent que c'est moi qui avais, ça va toujours s'aimer des discords, un point. Le deuxième point, c'est qu'il va aussi falloir qu'on prenne en compte l'idée de tout le monde.
peu importe mm-hmm. ce qui. On t'écoute, on t'écoute. Oui, quand quelqu'un émet une idée, qu'on a juste essayé. Essayez d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs et les likes, c'est important. Envoyez le maximum, s'il vous plaît. Et partagez le direct. Vas-y. Allô? Je disais que si, ce sera très important que quand un combattant dit « je voudrais plutôt qu'on exerce ce plan d'action », que ce soit pris en compte. Qu'on ne lui dise pas « non, 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 ça ne va pas marcher ». Il va se sentir rejeté. Donc, comme vous êtes en train de vouloir partir sur de nouvelles bases, ce sera aussi bien que tout ce temps. Je suis désolé. Hein. Je n'aime pas beaucoup prendre les gens dans le direct qui sont en train de conduire au même moment. Je suis désolé, donc je veux prendre quelqu'un. Je vois. Alors, je n'ai plus. Je ne vois plus ton invitation. Comment? Je ne vois plus ton invitation. Donc, je rappelle qu'il y a un outil en ligne. Je rappelle qu'il y a mon PayPal en ligne pour mon anniversaire le 7 mai prochain, pour ceux qui veulent contribuer. Et l'argent, une partie de l'argent, bien sûr, sera reversée à l'association dont je fais partie, l'association des enfants Monique, qui aura demain, qui va organiser demain à 19h un direct avec trois sœurs. Allô, bon, bonsoir. Dans le direct, voilà, c'est très, très important. Oui, ma sœur, vas-y. Oui, bonsoir. Vraiment, je voulais te remercier déjà pour cette initiative de faire parce que je vous suis tous là. Désolée, je suis sortie un peu parce que je ne suis pas seule, quoi. Mais je suis très, très intéressée par ce qui se passe. Disons que je suis... Vraiment, je voulais te remercier déjà, malgré tous les différends que tu peux avoir avec les autres, d'avoir pris déjà l'initiative de faire ce direct de paix. Donc, c'est à cause de ça que j'ai appelé. Et surtout, je voulais dire que j'ai suivi le direct de beaucoup d'entre vous, les combattants. Et ce que j'ai pu noter, c'est que quand chacun fait peut-être son direct, il a ses raisons. Il a ses raisons pour lesquelles peut-être il s'est comporté de telle ou telle manière, ou bien ses raisons de parler de l'autre à mal comme en bien. Donc, je voudrais dire que chacun a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe. En fait, je me dis, chacun veut le bien du Cameroun. Parce qu'à la fin, au final, quand chacun parle, à la fin, il dit le plus important, c'est d'abord la révolution, c'est que Diapart. Donc, on comprend bien que chacun voudrait bien que Diapart. C'est juste qu'il y a peut-être les malentendus ou bien les mésententes ou bien quoi que ce soit. Donc, ce que je tenais à dire, c'est juste que essayez entre vous de vous asseoir vraiment et de trouver cette paix parce que vous tiraillez comme ça sur le net, sur la face publique, ce n'est pas bien, ça décourage certaines autres personnes qui par exemple avaient le courage à travers vous de faire certaines choses. Je crois que si vous faites des lives, c'est aussi parce que vous aimeriez que les gens soient touchés et que chacun puisse se lever et se dire, moi aussi je peux faire quelque chose pour l'avancée de ce pays, je peux faire quelque chose pour que Mbia puisse partir, pour que demain la génération future puisse mieux vivre. Et si vous êtes considérés comme des leaders, je crois que vous influencez beaucoup. Je crois que chacun a ses torts et ses raisons. Mais je dis, comme je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est prêt à tout faire. Quelqu'un qui part, par exemple, braquer une banque parce qu'il a faim, ce n'est pas parce qu'il a faim qu'on va forcément tolérer de ça. C'est clair, il aura raison parce qu'il va toujours dire c'est parce que j'ai faim que je m'en vais braquer. Mais est-ce que le fait d'avoir faim fait en sorte qu'il doit peut-être braquer une banque au point de tuer? Donc, je veux dire. On combat pour les faits et non pour les causes. Justement. Et moi, je tenais à dire quelque chose. Je tenais à dire ceci parce que quand j'ai regardé aussi les lives, j'ai vu. Moi, quand j'ai vu, par exemple, la vidéo de Stella, on a beau dire que oui, on doit regarder la personne et non la personnalité, le combat que la personne mène. Non, mais il faut arrêter ça.
Il faut arrêter ça. Quand on s'estime être leader, il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette jeune fille parce que les gens suivaient ses idées. Mais du moment où elle s'expose comme ça, là, en public, pas en privé, moi, je peux comprendre. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, que l'autre combattant, celui de l'Allemagne, là, que peut-être ce qu'on dit sur lui est vrai ou faux. Mais toujours est-il que ça reste sa vie privée. Il n'est jamais venu s'exposer par rapport au fait. Rien n'a été exposé en public. Mais cette fille s'est exposée elle-même en public, quel que soit ce que quelqu'un a. Exactement, ma sœur, on se doit d'être des exemples, on se doit d'être les meilleurs. Imaginez aujourd'hui Kanto qui incarne le renouveau dans notre pays. On le voit dans une vidéo en train peut-être de sodomiser un enfant, comme les gens m'ont dit que oui, on a les preuves que Kanto, ça aurait été crédibilisé, aurait été aux yeux des Camerounais. Oui, je veux seulement dire. On peut aussi suivre, les gens n'avaient pas dit oui, on peut aussi suivre les idées, bien sûr. Ce sont les hommes qui traînent avec ces idées-là. Depuis que vous marchez, vous n'avez pas encore vu une idée passer. Oui, justement. Parce que si on ne peut pas séparer la personnalité de la personne d'une personne, il faut oublier, surtout quand la personne se met au devant de la scène. Si on voulait, parce que moi, on parle aussi de Fleur Delisle. Tout le monde a vu comment Fleur Delisle se comporte. Quand on veut mettre Fleur Delisle dans le combat, mon frère, moi, ça me dépasse parce que il ne faut pas supporter. Moi, j'ai lu les commentaires. La Calibri était en train de dire, oui, Fleur Delisle, on ne peut pas regarder que Fleur Delisle. Il faut qu'on regarde si elle est vraiment vraie pour le combat. Mon frère, si on voulait regarder ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de combattre Paul Bia. C'est qu'on va se dire, ah, c'est une personne, c'est un Camerounais avant tout. Quel que soit ce qu'il fait, on supporte. C'est qu'on ne combat pas ce régime parce que derrière eux, il se cache des personnes. Des personnes qui parfois sont aussi sensibles comme nous tous. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va commencer à dire, non, il est Camerounais, comme nous, on ne va pas faire ceci. On ne peut pas séparer la personnalité de la personne quand on se met au devant de la scène. Où que Paul Biya va, où qu'il mette les pieds, on parle de son pays, quand on parle de lui en tant que président du Cameroun, on voit le Cameroun. Parce qu'il incarne la nation entière. Qu'elle parle en bien du Cameroun, en mal, ce qu'elle fait aussi, ça la rattrape. Donc, il faudrait pas... Jean-Emmanuel Macron va aller quelque part, il gifle les gens, il tabasse les gens. On va dire, non, mais ce n'est pas Macron, la personne civile. Je ne veux pas dire que ce qu'ils ont combattu jusqu'à aujourd'hui est en vain, mais ça veut simplement dire qu'à un niveau, quand tu as un certain leadership, quand tu es un leader, tu dois faire preuve, tu dois faire attention à tes faits et gestes aussi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commettre des erreurs, mais des erreurs ne peuvent pas faire de manière sciemment. Parce que ça peut blesser beaucoup, ça peut décourager beaucoup. Parce que je pense que si vous faites des vidéos seulement pour qu'on suive les idées, il y a des gens qui vous regardent, même les faits et gestes parlent quand quelqu'un parle, quand quelqu'un fait quelque chose. On tient ça en compte. Et ça peut décourager beaucoup de personnes. Il y a des gens, par exemple, comme la maman là qui a dit, j'ai suivi une vidéo, qui disait qu'elle ne peut pas se placer, par exemple, elle regarde certaines vidéos avec les enfants. Oh, peut-être parfois quand elle regarde même avec ses proches, c'est une façon aussi de sensibiliser ses proches. Mais si tu regardes une vidéo, par exemple, avec l'enfant, on commence à envoyer les mots qui ne sont même pas au niveau de l'enfant. Ça veut dire quoi? Donc, c'est une façon de dire encore que, pardon, que les gens essaient également de se remettre en question, que chacun oublie son ego. Et que chacun, ils essaient de se remettre en question et de voir ce qui est important. Ne pas seulement venir dire sur Facebook que non, le plus important, c'est pour bien, mais pouvoir reconnaître ses torts également. Moi, par exemple, j'ai aussi suivi les vidéos de Serge Anango. Moi, je ne suis pas pour qu'il insulte des gens. Moi, je ne suis pas pour parce que insulter des gens comme il le fait, ça ne donne pas envie de le suivre. Même quel que soit, moi, j'ai toujours dit ceci. Dans la vie, il y a la manière de faire des choses. Si tu le fais mal, on n'entendra pas le message. On n'entendra que... Et c'est comme ça partout. Même quand je pars dans les entreprises, quand tu pars peut-être pour un entretien d'embauche, si tu arrives pour un entretien d'embauche, pardon, tu arrives, tu te comportes de manière bizarre. Ça va compter sur ce que tu... Ça va compter pour l'embauche que tu vas... Pour les critères d'embauche. Tu ne peux pas te lever un bon matin. Tu viens, tu parles n'importe comment aux gens et tu attends à ce qu'ils écoutent plutôt le message. L'expérience a montré que dans la vie, ce n'est pas que l'histoire de la mentalité africaine. C'est partout, même en Europe. Tu ne vas pas te placer quelque part. Tu vas parler de quelqu'un et parler à la personne, quel que soit le message que tu envoies, de manière malpolie et attendre que ça va entrer dans ses oreilles que message, message. Tout ce qui va entrer dans ses oreilles, c'est que cette personne me manque de respect.
C'est quelque chose qui est humain. Il faut qu'on essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est comme ça. Il faut qu'on était... Même si tu veux passer un message, ce n'est pas forcément en grondant les gens, ce n'est pas forcément en insultant les gens qui vont comprendre ce message. Et il faudrait que chacun essaye de revoir sa façon de faire, que chacun essaye de se remettre en question. Parce que si chacun utilise son ego, vous ne résolvez jamais ce problème-là. Chacun va se caser, j'ai raison. L'autre parle, il a raison. Parce que c'est un peu comme un problème entre mari et femme, où chacun a raison à son niveau. Où tu écoutes l'autre, tu dis que ah, celui-ci a raison, il avait quand même raison de faire. Le lendemain, quand tu écoutes la femme, tu dis ah, la femme avait raison de faire. Et au final, les deux ont raison. Ça veut dire que quelque part, les deux ont aussi eu tort. Et que chacun est au moins la capacité de reconnaître qu'il, quelque part, il a quand même eu tort. C'est de ça qu'il est question. Si on veut vraiment recommencer, ça ne veut pas dire que toi, Denis, par exemple, tu es parfait. Tu n'es pas parfait. C'est clair. Mais il faut prendre... Pour laquelle j'ai demandé pardon. Si peut-être j'ai offensé. Voilà. Oui, il faut prendre... Il faut aussi reconnaître déjà ses torts. Pour pouvoir avancer, rien que pour que le combat puisse avancer, il faut déjà reconnaître ses torts. Donc, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Parce que moi, je dis... Il ne faut pas qu'on confonde la personnalité. On ne peut pas séparer la personnalité de la personne. Moi, je ne pense pas que Mbiala, où il est là, il n'a pas, ce n'est pas quelqu'un que parfois il s'assoit comme ça, là, sa conscience le juge. Mais on ne peut pas dire que oui, parce que c'est une personne, c'est un Camerounais comme tout le monde, on va pas le combattre. Il y a des gens, même Calibri, qui disent que, oh, Flore, on laisse la partie que Flore, si elle est d'abord une femme camerounaise, c'est une femme, c'est bien beau de défendre. Mais moi, je peux pas, moi, en tant que femme, je ne peux pas me mettre à défendre les valeurs d'une femme qui ne me sont pas propres. Hein. Je ne peux pas me mettre là parce que je dis que oui, c'est une femme. À un niveau, il faut savoir mettre aussi des points sur les J pour pouvoir avancer. Merci, ma soeur, merci. Oui, on ne va pas seulement se mettre et dire que bon, parce que c'est une femme, parce qu'elle a fait ceci, on va cautionner peut-être tout. Mais avant tout, il faut le faire aussi dans le respect. Ça ne veut pas dire que tout ce que peut-être quelqu'un va faire, on va le rejeter forcément. Mais il faut savoir faire la part des choses, surtout quand on est des leaders, surtout quand on mène un combat. Parce qu'il y a des gens, des milliers de personnes qui vous suivent. Il y a des milliers de personnes qui vous encouragent. Il y a des milliers de personnes... Qui prennent conscience à travers vous. Donc, quelque part. Merci, ma soeur. Merci de ta conclusion. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. J'espère que tu avais déjà tout dit. Hein. Oui, oui, oui. C'est cool. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais seulement dire vraiment que les combattants, vraiment que chacun laisse son ego de côté et qu'ils essayent juste de trouver, que chacun essaye de se remettre en question et qu'ils essayent de demander aussi pardon à l'autre parce que ça aide aussi. Si tous les combattants savent que le plus utile, c'est de combattre bien comme chacun, parce que chacun parle. Moi, j'ai suivi les directs. Je suis désolé, ma soeur. Je suis vraiment désolé parce que là, je fais tout. Je ne peux plus continuer comme ça. Je vais donner maximum 2-3 minutes. Et je vais vraiment profiter, appeler parce que je ne vais pas refaire un autre direct comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Je ne vais pas faire ce genre de direct tous les jours. Parce que même moi, au bout d'un moment, ça va me saouler. La vérité et la réconciliation entre les combattants camerounais, ça doit se faire chacun sur sa propre page. Je l'ai fait aujourd'hui, sur ma page. Fils du planteur, tu dois faire ton direct. Ou bien vous faites des petits messages vidéo. Vous remobilisez tout le monde. Vous remotivez toutes les troupes. Platini, Anango, Max, Calibri, Salomon, je dis bien tous les combattants qui font des directs. Et même les combattants qui ne font pas forcément des directs et qui savent que dans ce combat, ils ont fait peut-être le désordre quelque part. Vous avez écouté tout à l'heure Kamboa la Panthère. Il est bien conscient. Il a bien reconnu certaines choses. Mais il a dit, il est temps de se réconcilier. Donc si chacun peut le faire sur sa page, comme je viens de le faire ici, si chacun peut prendre le soin seulement 2-3 minutes et demander, et même si c'est possible, citer la personne nommément. Oh là 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 là, j'ai fait une grosse erreur. Ma batterie. Une seconde, s'il vous plaît.
désolé. J'ai pas pris le truc pour la batterie, donc je charge et puis je laisse un dernier message très important. Donc tous les combattants sont invités. Tous les combattants sont invités à le faire, chaque combattant sur sa page peut juste prendre quelques minutes. Malheureusement, renvoie ton invitation du plateau, je vais te prendre parce que les gens ont été aussi trop longs à un moment, ça a fait que. Mais c'est important, j'ai aussi laissé le temps pour que certains essayent de vider tout ce qu'ils avaient au fond d'eux parce que c'est des combattants qui, soit eux-mêmes ont attaqué les gens, soit ils ont été attaqués par les autres. Donc ça fait quand même un moment qu'on a envie de tout vider, quoi. Alors j'essaye avec Marie-Michel, ça ne marche pas. Essaye de renvoyer ton invitation, fils du planteur. Je ne vois pas ton invitation. Je ne vois pas ton invitation. Si tu peux envoyer, ça va être vite fait. Hein, ça va être vite fait. Dehors, là, il faut que je parle parce que là. Essayez, ça parce que là, ça va couper. Oui, bonjour Flo, comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. Bertie, excuse-moi de te déranger, tu vois. Moi, je suis. Tu sais, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais depuis là, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas dans la basse. Je pense que vous me connaissez entre les guillemets sur Facebook depuis très longtemps, que moi je fais mes histoires du Congo, ça en fait. Et je l'assume parce que c'est. On m'a connue comme ça. Je n'ai jamais changé. Je parle de tout et de rien sur ma page. Et les gens viennent me suivre comme ça. Je ne force personne à venir regarder ce que Flore de Lille dit sur son mur. C'est comme sur ton mur, si les gens ne sont pas intéressés, ils vont ailleurs. Mais franchement, moi je suis sidérée. Est-ce que le combat de la basse, c'est Flore de Lille? Est-ce que c'est moi? Vous connaissez comment on m'a déjà mis dans les problèmes ici dehors, alors que je ne fais même pas partie de la basse. Mais on m'a toujours mélangé à la basse. Les gens disent que... Imagine pendant le boycott du 8 mars, j'étais la première à parler, mais je n'ai même pas parlé du boycott. J'ai parlé du code dress du 8 mars. Mais les journalistes camerounais ont dit « Flore de Lille a boycotté », alors que ce n'était même pas ça. Moi, je ne comprends pas, sincèrement, chers frères et sœurs. Le combat que vous faites, c'est un combat digne, c'est un combat noble. Pourquoi vous mélangez une vieille chouette comme moi? Pourquoi vous mélangez une personne qui, je ne sais pas, qui est dans son monde, qui vend ses godes? Pourquoi vous me mélangez? Pourquoi vous me mélangez dans ce combat, en fait? Pourquoi c'est toujours mon nom? En réalité, tu n'es pas dans le combat, mais tu as quand même quelques actions. Je ne suis pas dans le combat, je ne suis pas, je ne suis pas dans le combat, tu comprends. Bertie, je ne suis pas dans le combat, je ne suis pas dans le combat, mais je connais des personnes qui sont venues dans ce combat, qui ne sont pas sérieux, qui sont venues se faire voir. Je connais des personnes qui ont arnaqué, comment on appelle ça, qui ont mis la pression aux gens pour prendre de l'argent. Mais quand moi, la pantée qui parle, c'est un gars avec qui je suis sortie. Hein. On est sorti peut-être une semaine. C'est un gars qui bande mou. Je jure. C'est un gars qui ne bande pas. C'est un fumeur de manga. C'est un gars qui tape la cocaïne. Tu ne peux pas imaginer. Je ne manque pas. J'étais chez eux en Belgique. Quand vous voyez quelqu'un vient parler sur quelqu'un, ce n'est pas que je ne le connais pas. Hein. C'est un gars avec qui je suis sortie. Alors que j'étais mariée. C'était un show, un menteur. Avant, il était dans la police. Il n'est pas dans la police. On l'a chassé de la police. Tu sais ce qu'on appelle chasser quelqu'un de la police? Il est vigile. Si vous voulez, je ne vous mange pas le filmer là où il travaille, là-bas à Paris. Là. C'est quelqu'un qui a double personnalité. Je te dis, c'est quelqu'un qui a double personnalité. C'est un vigile. Il n'est pas dans la police. Avant, il était dans la police. C'était les petits policiers de la route qui arrêtent les petits trafiquants de drogue des cités. Moi, je parle maintenant de lui. J'assume. Tu comprends? Ce garçon, quand il arrêtait les petits Arabes qui vendent la cocaïne, là, il prenait d'abord sa part. Il avait les armes, il donnait les armes de la police, il donnait à son frère pour jouer avec. Son frère avait présenté sa Congo Saba, les armes qui l'appartenaient, les petites armes. Il croit que l'arme, c'est quoi? Ce n'est pas de ma faute s'il ne bande pas. Vous savez, un homme qui n'arrive pas à faire l'amour, il a une grosse bite, mais il n'arrive pas à faire l'amour, il bande mou. Je suis désolée. Non, quand il est venu parler de moi, Bertie Le Camille, c'est un manipulateur. Ne vois pas comme il avait tout. C'est un manipulateur, c'est un bandit. Il déteste Calibri. Pourquoi? Il déteste Calibri parce que Calibri me suit depuis avant les trucs de basse. Il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis.
Il regarde, que ce soit moi, que ce soit Salomé. Quand moi, la Panthère, c'est un manipulateur. Moi, je vous dis que c'est un manipulateur patenté. C'est un gars qui ne bande pas. Tu sais la frustration d'un homme qui ne peut pas faire l'amour. Tu sais ce que ça peut causer. Il passe son temps à dire qu'une pute, une pute. Mais tu es venu chez moi, tu voulais même escroquer ma petite voiture. À l'époque, je vais te dire, il voulait m'arnaquer. J'avais j'avais la Audi. Non, je vais parler, j'avais la Audi. Ce garçon, il me dit que comme j'ai une autre voiture, il veut donner ma Audi, il veut racheter pour donner à sa soeur. Alors qu'il voulait escroquer ma voiture. À l'époque, il présentait, il devait faire une soirée. Les ressortissants de Bafoussam, là. Ce garçon a arnaqué tellement de gens, je ne savais pas. Il se prenait toujours pour un super policier. Un gars, tu entres dans la chambre avec, tu n'arrives pas à faire l'amour avec. Je dormis pas, on est parti en Allemagne. Betty, tu as dit qu'on parle, non? Betty, excuse-moi, je te respecte. Betty, tu as dit suffisamment ce que tu avais dit. Non, je n'ai pas dit, parce qu'il a parlé plus d'une heure. Il manque qu'il était en Israël. Demande-lui qu'il n'est pas. Je ne sais pas que tu es dans mon direct. Si tu veux je suis dans ton direct, mais il est venu parler de moi. Tu as laissé qu'il parle de moi. Tu as laissé qu'il parle de toi. Là, moi, la panthère, je sais. Je peux faire la sauvage, je vais aussi faire le sauvage. Il m'a baisé. Ton frère ne m'a pas baisé. Parce que tu te souviens du jour-là, toi, Blé Goudé, je suis arrivé en Belgique. Vous êtes d'abord. Je serai obligé de te couper, Flo. Non, je vais parler tranquillement. Excuse-moi. Je voulais dire que tu sois poli, je veux que tu respectes mon direct. Je t'ai laissé la parole. Parce que tu as Blé Goudé qui est en train de parler. Ce sont des personnes qui ne sont pas des exemples. Blé Goudé, tu as bagarré avec ta mère. J'étais présent, mais tu lui avais ta propre question. Je vais te poser une seule petite question. Ne fais pas comme tu avais fait la dernière fois. Tu es venu, ça fait plus d'un an aujourd'hui. Tu es venu dans le direct, tu as balancé tout ce que tu avais à balancer. Au moins, je voulais te poser une seule question. Je suis passé chez toi dans le passé. Je voulais juste te demander quelque chose. Tu parles de mou, c'est mon problème. Betty, pardon, je vais parler doucement. Excuse-moi. Hein. Comme c'est devenu le Congo, ça, parce que quand on parle déjà de Flore, ils avaient dit que c'est le Congo, ça. Tu comprends? Demander pardon ici en public. De quoi? Est-ce que tu reconnais avoir attaqué? Attaqué qui? Non, je n'ai attaqué personne. Allô? Oui, je dis, j'ai attaqué qui? Il n'y a personne du tout. Non, je n'ai provoqué personne. Moi, j'ai répondu parce qu'il est venu parler de moi. Et tu as laissé qu'il me traite de quoi, de tout ce qui va avec. Je ne sais pas d'où ça vient cette histoire. Ça y est, c'est bon. L'agent de Adine, vous parlez même de quoi? Voilà. Je n'ai jamais été dans rien. Cette histoire qui dit, dis-lui de mettre les voices. Vous m'avez fait mon direct. Je veux juste rester cohérent avec moi-même. Je vais aller faire mon direct. Il a parlé tout à l'heure. Il m'a dit parlé tout à l'heure. Quand moi, parler tout à l'heure, je l'ai laissé parler. C'est pas parce que c'est Flore et j'ai fait des trucs pour la clasher que je vais lui couper la parole parce que c'est Flore Denis. Je suis pas dans vos affaires. Même si ma clasher, c'est pas votre problème. C'est lui. C'est à moi de gérer mon clash. Il m'a bêti le camion, que c'est pas un problème. Je suis pas rancunier. Ça me regarde. Sinon, c'est pas mon ennemi. Sinon, j'en ai pas vu. C'est moi qui suis venu dans son direct. Pas aller faire ma part. Même maintenant, les gens vont me voir. Je suis pas rancunier. Je n'ai aucune rancune avec qui que ce soit. Betty Lokami était sur Facebook avant les combats. Il faisait la sensibilisation de l'Afrique. Il me voyait, c'est normal, il me voyait trop sur les réseaux sociaux. Il est venu dire ce qu'il avait à dire, point bas. Il a écopé ce qu'il a écopé. Où sont les problèmes? Je n'ai pas de problème avec Betty Lokami. Betty Lokami, quand tu prends, c'est ton live. C'est toi qui le dirige. Tu parles de la réconciliation de la base. Comment quelqu'un qui va venir parler, Flore Denis fait partie de la base. Il vient parler. La base, pourquoi que je vienne parler? Toi, tu dis que il est en train de parler, c'est son propre qu'il a pris 147 000 euros. Tout le monde a entendu. Alors, c'est son frère. Pourquoi il n'en veut pas à sa famille qu'il a remis? Il y a des problèmes de connexion. Ils sont en train de signaler. Je m'avais fait mon direct.
Alors, je voudrais donc. Non, non, je n'ai pas à parler. Je ne vais pas laisser qu'elle détaille toute la vie. C'est sa vie de couple avec son ancien mec, d'après ce qu'elle dit. Je ne vais pas laisser qu'elle détaille tout ici, comment dans leur couple à l'époque ça fonctionnait. Dans leur couple à l'époque ça ne fonctionnait pas. Je suis dans le sens du combat. Leur vie privée après, telle faisait ci, telle ne faisait pas ça. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, elle est mêlée à ce combat. Parce que quand on parle de la passe aujourd'hui, le nom de Flore de Lille ressort chaque fois. Son nom ne fait que ressortir à chaque fois. Donc, quand elle est passée, moi, je ne suis pas dans ces histoires. Si lui, il a eu à parler tout à l'heure, si elle a envie de prendre la parole, je lui donne la parole. Parce que vous avez bien vu la façon dont elle s'est exprimée. Je n'ai rien contre elle. Donc, elle peut dire ce qu'elle a, elle a aussi a dit. Mais sauf que j'aurais souhaité qu'elle soit un peu plus bref. Ne pas entrer dans les histoires de... Parce que même les mêmes qui se plaignent aujourd'hui sont allés faire des directs aussi sur la page de Flore de Lille. Ils sont allés là-bas faire leurs directs et autres. Donc, voilà. C'est une seule, si elle a envie de prendre la parole pour dire ce qu'elle a envie de dire, pour peut-être démentir aussi. C'est important. Donc, il ne faut pas dire que oui, je ne l'ai pas laissé s'exprimer. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Bon, malheureusement, ça s'est coupé parce qu'on a un problème de connexion. Je crois qu'elle a dit, elle a dit l'essentiel. Si Christophe peut être vraiment bref dans son message, après ça, je vais conclure direct. Bien le bonsoir à toi, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as suivi ce que je disais. Si tu peux être vraiment bref dans ton message, il n'y a pas de souci. Vas-y, mon frère. Je pense aujourd'hui, j'aime la plupart du temps, tu veux à tout prix me couper, mais aujourd'hui, tu vas me laisser un peu le temps de parole. J'aimerais être bref, cependant, je ne pense pas être vraiment à la hauteur de ce que tu m'entends, mais je vais faire l'effort. Mm-hmm. Vous avez lancé pour thème réconciliation entre les combattants. Déjà, je vais vous dire, personnellement, je n'ai pas de problème avec les combattants, personnellement. Donc, de personne à personne, on n'a pas de problème. Cependant, les codes révolutionnaires, les codes de la révolution me font comprendre qu'il y a des révolutionnaires, des soi-disant révolutionnaires ou des prétendus révolutionnaires avec qui on ne peut pas faire chemin. C'est ça. Je veux bien, je n'ai pas de problème avec un combattant. Je n'ai pas de problème. Mais, tout à l'heure, le grand frère Kamo a parlé quelque chose. Il a parlé de moi. J'ai écouté, j'ai voulu répondre. J'ai voulu apporter quelques éléments de preuve. Il parle de Sow. On a blessé Sow quand on était à Lyon. Le même Kamo était là. Mais il fallait qu'il dise la vérité au peuple. Il y a des choses, moi, il n'aime pas parler des combattants, mais c'est parce qu'il a parlé que je veux parler juste de cette partie-là. Il faut qu'il dise. Quand vous engagez. Tu as envie de verser, verse, libère-toi et non, voilà, on passe à l'autre. Non, Bertie, écoute-moi. Dans la vie, moi, le fils du planteur, c'est la première fois, ça va être la première fois que je vais parler d'un combattant sur le net. Ce que je fais là, c'est la première fois que je parle d'un combattant sur le net. Je ne parle pas des combattants, je ne bande pas mes frères. Mais c'est parce qu'il est venu ici. Quand tu veux dire, dis tout. Ne parle pas, tu laisses l'autre. Non, on ne fait pas ça. Nous sommes en politique. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Nous sommes en politique. Et la politique n'est pas le Congo, ça. La politique n'est pas le commérage. Ce qui se passe à l'Élysée, ce n'est pas tous les journalistes qui savent. Ce ne sont même pas les journalistes qui savent. On leur donne un petit morceau, ce qu'ils peuvent commenter dessus. Mais la page, le fond de la chose, ils ne savent pas. Et c'est ce que je souhaite, c'est ce que je prie, qu'on s'attache ainsi. Ce n'est pas tout, on va venir vociférer sur le net. Le cas qui s'est passé avec le combattant est chez nous. J'étais le premier à interdire que ça ne sorte pas. Mais grande a été ma surprise que c'est sorti. Beaucoup ont confondu le mieux. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. On fait la révolution. Aujourd'hui, beaucoup se prétendent être des révolutionnaires. Quel qu'en soit le niveau où ils se trouvent. Mais quelle est notre idéologie? Quel est notre idéal commun dans cette révolution que nous menons? Tout le monde va dire que oui, il faut que la justice soit établie. Après la justice, vous croyez que nous, les combattants, on va faire comment? L'essentiel n'est pas de se mêler avec le pouvoir, c'est d'être un contre-pouvoir afin de presser sur les leviers qui vont faire avancer le peuple, le pays. Que ce soit n'importe qui prend le pouvoir, qu'on soit capable de le mettre face à ses erreurs pour qu'il fasse bouger les lignes au pays,
pour que le pays change. Ce n'est pas pour nous battre aujourd'hui et s'endormir demain. Pour permettre à celui-là aussi, ou celui qui, ou celle qui viendra, de refaire nouer la dictature encore, ou faire nouer la paresse aux Camerounais. Non. Quand nous étions à Lyon, il y a le camarade qui était blessé. Quand moi avec la voiture, ils se sont levés. Ils ont dit qu'il faut que celui-là prenne le train. Il rentre sur Paris. Je leur ai dit, jamais. S'il n'y a pas la voiture ou lui, il va entrer dedans, personne de nous ne bouge. Il dit, bien, parce que quand on commence à parler les choses, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il voulait qu'il paye son transport. Vous partez au front avec quelqu'un, il est blessé, il part à l'hôpital. Le matin, vous voulez le laisser pour rentrer. Vous lui demandez de prendre le transport. C'est où j'ai dit non. C'est moi qui ai dit non. Je suis rentré avec lui, je suis arrivé sur Paris le jour à 22h. On a pris une voiture, on est rentré. Frère, avant d'aller à Lyon, parce qu'ils sont partis vendredi soir, moi, je suis parti samedi avec Calibri à 18h. Avant d'aller à Lyon. Quand moi, je suis parti négocier avec les autres. J'oublie même son nom. Comment il s'appelle là? J'oublie son nom. Il est parti négocier avec eux. Quand les gens étaient en route pour aller à Lyon, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand la négociation n'a pas abouti, il vient dans le groupe, il dit qu'il était en train de négocier. Mais ça n'a pas abouti. Je me suis fâché. J'envoie un voice dans le groupe où je dis, ça, c'est ce qu'on appelle vendre les troupes. Comment les gens sont en route pour Lyon, vous partez négocier. Donc, ça veut dire, si la négociation passe, on tue ceux-là là-bas. Quand moi, qui parle, même quand moi, il m'a retiré du groupe. Quand on a fait la réunion, quand on a fait une réunion avec Zogo, quand moi, lui, on était là, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zoro me dit, c'est lui qui a demandé qu'on me retire parce que ce que j'ai dit, j'ai rigolé. Quand on arrive, cela se produit. Et une fois, lors de cette même réunion, ils ont dit qu'à moi devait être le vice-leader. Moi, le fils du planteur, j'ai dit non. Pas parce qu'ils le détestent, non. Parce que ses agissements ne sont pas compatibles avec ce poste, avec cette fonction. Je ne le déteste pas personnellement, non. Non. Quand on veut être leader, on se rassure que c'est la vie humaine qui prime. Que c'est la vie, c'est notre vie. C'est la vie de ton combattant, de ton collègue, de ton frère révolutionnaire qui prime. Quand tu as cette vie-là, tu te rassures que ta troupe se porte bien. On peut faire le vivre ensemble. Mais tu, je ne peux pas te dire. Mon ventre, c'est le magasin. Et comme parfois, il y a des erreurs que d'autres font sur le terrain, et je suis là derrière, il lance des mots, j'écoute. Je fais feedback. Tu as rappelé l'autre hier, je t'ai dit que j'avais compris. Toi, tu disais que je n'avais pas compris. J'avais compris. Mais je me dis toujours, dans un combat, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre si on fait le désordre, si on fait des attaques frontales? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On pose des pareilles questions. Quand tu vois que tu as plus à perdre qu'à gagner, tu fais profil bas. Tu m'as insulté, tu n'as rien fait. Je sauve l'honneur du combat parce que si je dégame, le combat va se gâter. Je préfère. Franchement, nous, de la base, il faut qu'on pense, qu'on ait le sens, comment bousculer les lignes. Hier, je parlais de la réforme agraire. Il faut que cela ait lieu au Cameroun. Il faut que nous, les combattants, nous adoptons, nous faisons des recherches. Nous piétinons sur ce pas-là. Pour faire lever les enchères et attirer la sympathie des masses, du peuple lambda qui souffre. C'est de ça il est question. Quand tu as ton programme politique, nous-mêmes, nous voulons faire avancer notre pays. Sans Kamto, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Posons-nous cette question-là. On laisse mourir le combat? On fait quoi? Avec ou sans, il faut que ce combat vive. Voilà de quoi il est question. Avec ou sans, il faut que ce combat vive. Alors, merci. Je ne veux pas parler. Je veux juste apporter un élément de précision à ce point-là. Jamais j'ai dû parler de ce qui s'est passé. Toi-même, Bertie, tu as eu à m'appeler au téléphone. Tu dis le fils du planteur. Tu connais quand même, tu te souviens de ce que tu avais dit? Oui. Il t'a dit non, ce qui est des combattants reste des combattants. Même le frère Nyat, il m'a trouvé sur un direct, il dit parle. J'ai dit non, je ne parle pas. Je ne peux pas te vendre ici. Non. Toi et moi, on a un problème.
Ce n'est pas parce que toi et moi, on a un problème qu'il va venir sur la place publique te vendre. Non, je ne fais pas ça. Non. Moi, le fils du planteur, non. Après tout, tu restes un combattant. Si moi, tu ne peux pas me faire confiance, malgré nos désaccords, on ne peut pas s'accorder. Ne serait-ce que sur l'infime chose de ne pas vendre l'autre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut avoir autant de divergences que possible. Mais évitons de nous entrecroiser, de nous entretirer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça. On peut être en désaccord total, en déphasage total. On se décide, chacun mène le combat de son côté, on s'en va chasser Paul Biya. Voilà ce que c'est que le combat. Ce n'est pas moi, Paul Biya. Ce n'est pas toi, Paul Biya. Personne de nous, ce n'est pas les autres combattants. Arrêtons de nous entretirer. Et soyez des combattants sincères. Ne soyez pas des personnes capables de vendre vos frères pour un miette, pour les centimes. Pourtant, l'avenir de vos enfants même sont en jeu. Ce n'est pas parce qu'on accouche les enfants en Europe. Hein. Demain, si les Européens décident ou les Français disent que nous sommes les vrais Gaulois et nous imposons les Gaulois en France, les Noirs qui sont nés, si vous allez dire que vous êtes Français, on va vous botter avec un coup de botte à la cul, vous allez sauter. Où est-ce que vous allez aller? Pensons toujours à ça. Pensons à ça à chaque fois que nous posons les actes. Merci. La réconciliation, je la veux bien. Mais il faut penser, savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'on avance, qu'on pense, qu'on sache ce qu'on veut. Combien de fois vous avez mis les bâtons dans les roues des combattants pour ne rien gagner, juste pour un lynchage, sabotage inutile. Pourquoi tout ça? Hier, comme je disais, la plupart des combattants qui ont rejoint ce combat, quand ils allaient les accompagner à l'aéroport, ils avaient une valise, un sac de manioc, un sac de banane, un sac d'haricots. Ils ont pris l'avion en disant au revoir à la famille. Aujourd'hui, ils se retrouvent ici, ils nous fatiguent parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la loyauté dans la révolution. Il n'y a pas cet esprit de loyauté-là. Il n'y a pas ça. Merci, fils du planteur. J'espère que tu as tout dit, hein, donc je vais être obligé de conclure. Peut-être la prochaine fois, on aura plus de temps, mais je ne souhaiterais pas revenir sur ce sujet. Je crois qu'on a assez parlé et le message a été clair. Il faut vraiment que tous les combattants essayent de renouer. Moi, il y a des gens qui me disent, oui, reprends Flore de Lille. Elle n'a pas fini de dire ce qu'elle avait à dire. Moi, je dis, je ne peux plus la prendre. Parce que quand je la prenais, j'espérais qu'elle pourra peut-être nous sortir un ou deux éléments concernant la révolution. Mais elle est entrée dans les histoires de Sam Kamison, de Kongosa. Je veux ici accentuer, Bertie. Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Donc, je te laisse juste. Je veux ici accentuer, Bertie. Il faut qu'on fasse des vrais lives. Des vrais lives où on va expliquer aux Camerounais qu'on n'a jamais été à l'école pourquoi on se bat. On a toujours fait des lives importants, sauf qu'à un moment, oui. Pourquoi on se perd un peu, d'accord, mais on doit intégrer le combat. Pourquoi? Tout à l'heure, je parlais de la réforme. Hier, j'ai parlé de la réforme agraire. Tout à l'heure, j'ai parlé du transfert des technologies, de la nationalisation des entreprises internationales dans notre pays. Il faut parler des pareilles choses, expliquer aux Camerounais. Pourquoi le planteur de Ndjombe Penja doit laisser la plantation PHP, donc la route passe au mieux. Et lui va aller à 10 km de sa maison travailler. Pourtant, il est Camerounais. Merci. Et cultiver ce qu'il lui-même peut consommer. Il faut qu'on fasse ça. Et j'aimerais, Bertie, que toi et moi, on fasse un direct pour ça. Le jour où je te sens direct. De toute façon, on va travailler sur on va faire un direct pour ça. Qu'on arrête de nous distraire. Qu'on arrête. On a besoin des vrais combattants au Cameroun. Que les ingénieurs qui sont ici, qui volent la technologie, qui sont dans les entreprises, pour envoyer au Cameroun, pour qu'on construise le Cameroun avec. Merci. Merci. Vraiment désolé, fils du planteur. On aura le cas la prochaine fois. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le direct. Je vais couper, je suis obligé. Mais, s'il vous plaît, réconciliation. Mon PayPal en ligne pour mon anniversaire le 7 mai prochain. Et les fonds seront reversés à l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, qui vont organiser un direct demain à 19h avec trois de nos sœurs. Donc, rendez-vous-y quand vous aurez l'occasion. Pourquoi pas, c'est très important. Donc l'opération, il y a un dernier point que je voulais aborder et je reviendrai plus largement dessus. Je propose que les Camerounais, que certains d'ailleurs, qui essayent de faire comme moi, parce que j'ai lancé un truc depuis un moment, mais je n'avais pas parlé de ça sur la toile, je suis désolé. Il y a certains qui voulaient passer, mais je ne pourrais pas vous donner la parole. Donc je vais terminer ici en parlant de... Et faites surtout des suggestions, même inbox, envoyez-moi des messages parce que j'ai trouvé le mot bon.
un benguiste, un parrain ou bien le benguiste parraineur, mais je ne sais pas si ça sonne très bien, si vous pouvez me faire des propositions. Le concept, c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui vit en Europe se décide, voilà, de faire de façon délibérée, hein. Tout seul, tu peux t'engager à faire ça. Je ne dis pas qu'il faut verser les fonds chez moi, non. Vous choisissez un enfant au Cameroun, ou bien en Afrique d'ailleurs, dans un autre pays du continent africain. Moi, j'ai fait le choix de prendre un enfant à l'extrême nord du Cameroun, dans la ville de Mokolo. J'ai pris en charge un enfant, dont je suis le parrain aujourd'hui de cet enfant, et je voudrais encourager les Camerounais qui vivent en Europe, en Occident en général, à prendre un enfant à raison d'1 euro seulement par jour. Vous changez la vie d'un enfant au Cameroun. C'est très important d'essayer de me proposer des noms. Ce concept-là, je pense que je vais essayer d'en parler davantage. J'ai moi-même pris un enfant dans cette région, à Mokolo. Juste s'occuper de la pension, s'occuper de voilà, tout ce qui est fourniture scolaire. Si l'enfant de temps en temps a besoin d'une chaussure, d'un t-shirt de temps en temps, ou dépenser l'argent en Europe un peu partout, le soir dans l'Inganda ça chauffe, l'argent on claque. Et si vous pouvez, je pense que si vous contribuez juste 1 seul euro pour un enfant, vous donnez le sourire à cet enfant, vous garantissez sa santé, vous garantissez beaucoup de choses derrière. Je ne l'avais pas encore dit ici, mais je le fais déjà. Et j'encourage beaucoup d'autres Camerounais à le faire. Donc, je voudrais quelqu'un qui peut me faire des propositions et je vais revenir plusieurs fois sur la toile avec ce concept-là. Et surtout, pour éviter, je suis Bamileke, même si je suis Camerounais, d'accord, mais je suis Bamileke. J'ai évité de prendre un enfant Bamileke pour qu'on dise, c'est ce que je pense. Hein. Faut pas que ça soit genre, oui, il a pris son frère Bamileke. J'ai pris une jeune fille de 7 ans, c'est une fille. Dans l'extrême, non, ça dit que c'est pas déjà la même religion. On va dire, bon, je ne suis pas dans vos histoires de religion. Moi, je suis dans l'animisme, je glorifie mes ancêtres. De l'autre côté, je fais exprès de prendre quelqu'un là-bas parce que on va dire, oui, on n'est pas du même village. On n'est pas de... Voilà, il y a tellement de choses qui... certaines choses qu'on n'a pas peut-être en commun. Donc, si tu es peut-être, je ne sais pas, à Douala, tu peux prendre un enfant à Bamenda. Si tu es peut-être à Bamenda, tu peux prendre un enfant au Nord Cameroun. Quelqu'un qui est à l'Est peut prendre un enfant à Yabassi. Tu donnes le sourire, tu garantis le sourire à cet enfant en lui donnant le minimum. Chaque fin de mois, ce n'est pas difficile. J'ai essayé, pas avec un seul enfant. J'avais déjà un premier, j'ai décidé de prendre un deuxième. Pourtant, je ne roule pas sur l'or en Europe. Je ne roule pas sur l'or. Mais j'ai le nécessaire, j'ai le minimum. Et je peux apporter un plus aux autres. Raison pour laquelle j'exhorte. Je voudrais pousser les Camerounais à faire davantage. Vous essayez juste de créer les contacts quelque part, vous essayez de chercher un enfant qui est vraiment dans le besoin au Cameroun. On sait qu'il y a des enfants tellement dans des difficultés. Mais parfois, on a des choses ici, on balance à la poubelle. Pourtant, de l'autre côté, on a des gens qui sont dans le besoin. C'est pour ça que je voulais prendre le temps pour parler de ça. Je reviendrai largement dessus que quelqu'un qui est en Europe, qui gagne ne serait-ce que le minimum, prenne en charge, donc parraine un enfant en Afrique. Je ne peux pas prendre Fleur de l'île du Sud, désolé. Je vais déjà couper le direct. Parce qu'elle va encore revenir avec Kamoa a fait ceci. Kamoa a été mon shoga. C'est pas quand je l'apprenais, ce n'était pas pour écouter ça. Quand je l'apprenais, c'était pour qu'elle essaye de dire quelque chose dans le sens du combat que nous menons. Ce n'était pas dans les histoires de sans caleçon. Parce que si faut rentrer dans le sans caleçon, il y a 1000 personnes. De toute façon, elle peut organiser son direct sur sa page pour dire ce qu'elle pense. Mais là, ça ne m'engage pas. Parce que si tu dis quelque chose ici, ça m'engage. Et je ne laisserai pas qu'elle vienne ici dit des choses sur un autre combattant, un frère combattant d'ailleurs, et des choses peut-être qu'on ne peut pas vérifier. Moi, je n'entre pas dans le Congo, ça. Je ne suis pas dans leur histoire. Donc maintenant, j'espère que le concept, ça va vous intéresser. J'espère que beaucoup vont peut-être prendre cette initiative. Parce que parfois ici, on claque à gauche, à droite, tout le temps. Il y a des gens ailleurs qui sont dans le besoin. Je vous ai dit, j'ai essayé et ça marche très bien. Vous pouvez faire pareil. Voilà, merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de suivre le live. Je serai obligé de couper. Voilà, merci. Désolé, mais je vais couper le live.